Money up, 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 money up. I could do anything just to get this money, money, money. Without money, your life don't get any meaning. Cha, cha, money na bash. Start without money, everybody go to look you down. Money na power. With money, you go fit nothing now. Oh God, make you help me to make this right. Oh God. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Maman. Reviens ici. Reviens ici. Oh, reviens ici. Naï, oh, Guini. Oh, Guini. Naï. Naï. Arrête. Arrête, Naï. Arrête. Ozuko. Naï. Attends. Naï, arrête. Naï. Naï, qu'est-ce qu'il y a? Naï, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oncle Fille, elle veut nous apporter la honte dans notre famille. Non. Tu veux tout savoir, hein? Le fils de Moiseke, celui qui vit à l'étranger, il est venu ici pour elle, mais elle l'a chassé. Hein? Est-ce vrai? Il a dit qu'il veut m'épouser. Et? Quelle était ta réponse? Je lui ai dit que je suis amoureuse de quelqu'un. Papa, Minaï, régale-moi ça. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est qui cette autre personne? Maman, tu le connais. Tortuko. Viens. Viens par ici. Regarde-moi ça. Viens. Reviens ici. Jamais. Viens ici. Okwaki. Hey, mon amour, tu vas bien? Mes parents, ils veulent que j'épouse quelqu'un pour qui je n'ai pas de sentiments. Ah, il est bon. Dis-moi, mon amour, tu ne m'aimes plus assez pour m'épouser? Tu sais très bien que je t'aime. Alors viens demander ma main, viens voir mon père, dis-lui que tu veux m'épouser. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Je ne peux pas t'épouser sans argent, il me faut de l'argent. Je n'en ai pas. Je sais, mais une chose à la fois. Tu sais, présente-toi d'abord, demande la liste et Dieu s'occupera du reste. Pas de problème, je vais y réfléchir. T'es sérieux? Merci. Je t'aime, tu sais. Je t'aime, moi aussi. Dis-moi, où sont les autres? Anne est allée puiser de l'eau et maman est couchée à l'intérieur. Ouais, en parlant de maman, comment va-t-elle? Eh bien, elle va mieux qu'hier, en tout cas. T'inquiète pas, mon amour, tout va s'arranger, ok? Ok. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant que je n'arrive? En fait, j'essayais d'arranger mes chaussures. Celle-ci? Mm-hmm. Mais elle est déjà toute vieille, non? Mon amour, je le sais, mais c'est la seule qui me reste. Ne t'en fais pas, quand j'aurai de l'argent, c'est la première des choses que je changerai. Hein? T'inquiète pas, t'auras l'argent, ok? Mm-hmm. Si tu continues de la regarder, ça va te briser le cœur, laisse ça. Hein? Est-ce que t'as mangé quelque chose? Non, j'ai justement faim. Ne t'inquiète pas, il y a à manger dans la cuisine. Ok, je reviens. D'accord. Ah. C'est pas vrai.
inutile. Hein? Non, rien. Est-ce que tu vas bien? Mon fils, s'il te plaît, je veux me lever. Doucement. Qui est-il encore? Mon fils, Santo, est-ce que tu vas bien? Maman, pourquoi devons-nous souffrir comme ça? Pourquoi devons-nous souffrir comme ça? Je ne comprends absolument rien. Pourquoi? Je veux dire... Absolument rien ne marche. Tout ne cesse d'aller de mal en pire. Regarde-toi, ta santé ne s'améliore pas. Hein? Peu importe le nombre de médicaments que tu prends, absolument rien. Pour couronner le tout, Nkem, mon amour, est en train de me filer entre les doigts. Que s'est-il passé? Ses parents lui mettent la pression de se marier à tous les prix, par tous les moyens. Oh. À n'importe qui. Sauf moi. Mon fils, j'irai bien. J'irai bien. Je sais que Nkem t'aime. Elle n'acceptera pas ce que ses parents disent. Je le sais. Maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'il m'aime, je n'en doute pas. Mais... j'ai comme le pressentiment que très bientôt elle cédera à la pression. La pression est très forte. Honnêtement. Elle dit qu'elle veut que j'aille voir ses parents. Ça, c'est une bonne idée, tu vois. C'est bien, non? C'est vrai, c'est une très bonne idée, mais je n'ai même pas un kobo. Hein? Est-ce que j'irai là-bas pour leur présenter juste mes doigts? Hey, je n'ai même pas un centime. Hey, bah quoi? Hey. J'en suis malade. Eh oh! Eh oh! Tu sais, Dieu merci, le prix de l'aide dans ce village est moins coûteux, ça veut dire qu'on peut le faire. Hein? Va chercher la liste, ramène-la d'abord. Dieu fera le reste pour nous, oh? Hey. C'est la même chose qu'elle m'a dite. Ah. D'accord, je parlerai. Je vais en parler avec mes oncles, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi te dire quelque chose, je suis très heureuse. J'ai apporté de bonnes nouvelles. Tu connais un... Typhon Moyoku? Typhon Moyoku, non? Celui qui va en ville. Lui. Et il a dit qu'il a besoin de nos hommes avec qui il rentrera en ville. Des hommes allant de 25 ans à 35 ans. Tu dis quoi? Tu travailles là-bas, oh, et que c'est une opportunité à saisir. Peux-tu imaginer? Tu dis quoi? Laisse-moi aller passer la nouvelle à mon Tochuku. Hey! Nkem, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux dire, ne peux-tu jamais parler sans mentionner le nom de Tochuku à l'intérieur? Mais Tochuku est tout ce qui m'importe dans ce village. Quand vas-tu te réveiller de ton rêve et faire face à la réalité? Biko, dis-moi ce que j'ignore, c'est quoi la réalité? Nkem, tes parents veulent le meilleur pour toi et ils ne vont jamais mal te guider. Je veux dire, je ne sais pas ce que tu vois en Tochuku qui te fait pêtre la tête. Je veux dire, je ne comprends pas. Tochuku ne te mérite pas. Oui. Et c'est Joseph qui te mérite. Bien sûr. Je veux dire, il est mieux que Tochuku. Il fait quelque chose de sa vie. C'est un démonteur de roues. Et il gagne son pain quotidien. Je comprends. Oui. Si je comprends bien, ton fiancé est un démonteur de roues. Et pour toi, c'est un travail, n'est-ce pas? C'est mieux que de ne rien faire. Oui, c'est mieux de faire tout ça que de déambuler dans tout le village, comme ton Tochuku. Pas comme mon Tochuku. Nkem, Tochuku, ce n'est pas une personne. Oui, il ne veut pas de ton amour. Je veux dire, tu devrais obéir à tes parents et épouser cet homme qui vient demander ta main en mariage. Je veux dire, il n'y a plus de temps. Toi-même, tu ne vois pas. C'est bon, j'en ai assez de tes conseils. J'ai dit que c'en est assez. Maintenant, je voudrais que ce soit très clair pour toi. N'essaye plus jamais.
Tu m'entends bien? Ne parle plus jamais de mon chouchou comme ça dans ce village. N'ose plus jamais. T'as compris ce que je t'ai dit? Kem, je te parle simplement comme ma meilleure amie. Bien que ça. Et rien de plus. Putain, mais c'est pour ça que je t'ai dit toutes ces choses. Ton chouchou ne te mérite pas. Calista, voilà la route. Tu peux partir maintenant. Hein? Oui. J'ai dit fou le camp de chez moi, non? Ah, serais-tu en train? En train? Tu me demandes de partir de chez toi. Non, prends la chaise, tu t'assois. Pardon, fous le camp de chez moi. Va-t'en. Tu viens me parler de mon chouchou, tu es ici. Non, parce que je te demande de quitter ton chouchou. Apparemment, tu veux les problèmes, t'es encore là. Hein? Hey, Tochoko. Nai. Tu vas bien? Tout va bien? Pourquoi marches-tu comme une âme en peine? Je sors juste de chez Yomyoku. J'ai été renvoyé à cause de mes chaussures. Hey! Ça vient d'arriver maintenant et j'étais en train de marcher et la chaussure s'est décollée. Tu sais quoi? Tiens, essaie celle-ci. Oui, essaye-les. Essaye-les, voyons. Ce n'est pas la peine, mon oncle. Même si je porte ces chaussures, je suis sûr qu'ils ont déjà fini de choisir les gens là-bas. Tochoku, essaie d'abord celle-ci. Tu ne peux rien essayer. Hein? Fais-le! Tu vois, elles te vont bien. Tu ne portes pas celle-ci. T'en fais pas, je vais les ramener. Tu peux demander à quelqu'un de les garder. Je le ferai. J'ai hâte que mon frère commence à travailler. Hey! Oui! Et moi, je veux qu'il gagne beaucoup d'argent pour venir m'épouser. Mouniani! Mouniani! Où as-tu pris ces arachides? C'est vraiment sucré. Il est de retour. Mon frère. Comment ça s'est passé? Dis-moi, que s'est-il passé? Trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a chassé de sa maison. Hein? Pourquoi? Makaogini. Il dit que c'est quoi le problème? Laisse-le partir. Ne t'en fais pas, il va revenir. T'es sûre? C'est mon frère. Assieds-toi, il reviendra. Non, non, il ne va pas bien. Je vais voir ce qui se passe. J'arrive. Hey! Kem, je suis très contente. Je suis tellement contente. Kem, sais-tu que Joseph a été choisi? Et il ira en ville pour travailler dans l'usine de Chifu Moïko. Hey, Joseph m'a dit qu'ils ont mis Tochoko hors des locaux. Oh, il ne t'a rien dit. Je savais qu'il n'allait rien te dire. Laisse-moi te dire. Ils ont dit qu'il est arrivé là-bas très débraillé, avec une chaussure rigolote à ses pieds. Kem, il y a quelque chose à propos de ce garçon que tu ne vois pas. Oui, juste parce que tu es tellement amoureuse. De quoi est-ce que tu es en train de parler? La malchance. Oui, la malchance. Je ne comprends pas. Ne peux-tu pas voir que la malchance le suit partout où il va? Oui! Parmi tous les jeunes hommes qui sont venus chez Chifu Moyoku. Tout ce que Dieu fait est bon. T'as compris? Ouais, s'il a raté cette opportunité, la prochaine sera certainement la meilleure. Ok. Pour être franche, je n'ai aucune envie de parler de ça. Alors, changeons de sujet. Si tu l'as dit... Hey, je suis très contente. Tu dis que tu veux te marier? C'est intéressant.
Ça, même si tu ne parviens pas à acheter des médicaments à ta mère, tu veux quand même te marier. Ok, dis-moi un peu. Dis à toi-même la vérité. Est-ce que tu peux te nourrir au moins 3 fois par jour sans aucun problème? Et tu sais que la réponse est non. Et tu veux ajouter une autre bouche dans ton plat. Mon oncle, s'il te plaît, accompagne-moi juste chez elle, je t'en prie. C'est tout ce que je demande. Mmh. Oui. Que je t'accompagne juste chez elle. Oh. Mmh. Mmh. Pas de problème. Je vais t'accompagner chez elle. Avant que tu ne dises que j'ai refusé de t'accompagner, je le ferai. Merci, mon oncle. Mmh. Merci, infiniment, ça me touche. Alors, une fois que j'aurai fixé la date, je te le ferai savoir. Donc, tu n'as pas encore fixé de date. Et tu me l'annonces déjà. Parfois, utilise un peu ta cervelle. Tu es encore jeune. Réfléchis. Tu n'as pas encore fixé de date, tu n'as encore rien fait. Tu dis quand tu fixeras la date, tu me le diras. Et par la suite, tu me dis que tu n'as pas assez d'argent pour acheter à boire ou acheter les autres choses que nous utiliserons quand nous serons chez elle. Je me trompe? Ne t'en fais pas pour ça. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mmh. Ouais, Dieu pourvoira. Mon oncle, je suis venu te dire que j'ai trouvé la femme que je veux épouser. Ça, c'est bien. Oui, alors, mon oncle, j'aimerais que tu m'accompagnes pour aller voir ses parents. Tochuku, tu es sérieux? Oui. Hey! As-tu informé James? Oh oui, je viens juste de chez lui. Hey! C'est très bien, tu commences à réfléchir comme un homme. Merci. Tu vois, le mariage ouvre les portes. Mm-hmm. Donc on n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'on veut sous cette terre avant de se marier. Hein? Mm-hmm. Écoute mon fils, parfois les choses que l'on espère commencent à prendre forme quand on s'y attend le moins. Honnêtement, je te soutiens. C'est une bonne nouvelle. Tu Merci. Peux compter sur moi. Merci. Je suis de tout cœur avec toi. Merci, mon oncle. J'espère que tu as oublié ta mésaventure avec, comment est-ce qu'il s'appelle? Ok, chef Miyuko. Oui, oui, oui. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tu as raison, mon oncle. Oui. Je n'ai pas de choix. J'ai absolument tout laissé derrière moi. Et comme tu le dis toujours, mon oncle, oui. Dieu a le dernier mot. Je suis content pour toi. Je suis content, honnêtement. Tu vois? Je suis avec toi. Merci. Je te soutiens. Quand tu es prêt, fais-le-moi savoir. Je t'accompagnerai. Merci, mon oncle. Qui est cette fille? Ah! Mon oncle, il faut que tu vois cette fille. T'assure, j'ai vraiment usé de beaucoup de stratégies pour avoir cette fille. Hey! Grand frère! Grand frère! Grand frère! Oh! Grand frère! Grand frère! Grand frère! Hey, doucement, hey, doucement, hey, doucement, hey, doucement. Hey, oh, est-ce qu'on te poursuit? Personne ne me poursuit. Ah, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Dieu des pauvres, je te remercie. Merci pour ce témoignage. T'es merci d'avoir sauvé mon frère. Merci d'avoir sauvé sa vie. Pourquoi est-ce que tu enlèves Dieu autant? Grand frère, c'est vrai que tout ce que Dieu fait est bon. Oh, Diggy. On dit que les gens qui sont allés travailler pour Omiyoko ont eu un accident en coup de route et 6 personnes sont mortes. Hey! Oh Mon Seigneur, Dieu. Je te dis merci. Merci Seigneur. Et ceux qui ont survécu sont dans des états très très critiques. C'est ah, pas vrai. Seigneur, oh Miyuko. Dieu de miséricorde. Hey, Dieu dalou, de miséricorde. Dalou, mon Dieu frère, de pitié. Hey, mon frère. Merci, hey. Mon frère, on dit que la voiture des chiefs, oh Miyuko, a eu panne le matin quand il s'apprêtait à partir. Il est donc monté avec les employés. Il est monté avec eux. Ça veut donc dire que lui-même il est touché. Seigneur. Hey! Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Mon frère, imagine que tu mourrais. Ah. Imagine que tu mourrais. Je serai mort aujourd'hui. Merci, Seigneur. Tu es mort. Merci, Seigneur. Hey, Chukudalo. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toti? Mon amour. Ah. Waouh, regarde-toi. Waouh.
Je vais bien. Dieu merci, tu es ici avec moi et non pas avec les autres à la morgue. Alors, ça va. C'est vrai. Ma chérie, Dieu m'aime. Crois-moi, jusqu'à présent, j'y pense toujours. Et je réalise que Dieu m'aime. Honnêtement, je serais mort aujourd'hui. Je t'assure. Seigneur. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu es si contente. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a hein? Je te connais. Allez, viens t'asseoir. Allez. Allez, assieds-toi. J'arrive. Ah ah. D'accord. Dis-moi ce qui te rend si joyeuse. Ma sœur était à la maison. Okay. Et elle m'a donné un peu d'argent. Mm-hmm. Pour ravitailler la maison, alors je t'ai acheté quelques petites choses. T'es sérieuse? Ouais. Waouh. Tout ça, c'est pour moi? Ouais, bien sûr. Merci. Merci. Merci infiniment. Attends, attends. Que vont penser tes parents? Ils ne seront pas en colère si jamais ils le découvrent. Ils ne le sauront pas, je ne leur ai rien dit. Toi, tu le feras. Non. Je ne veux surtout pas que tu aies des problèmes avec eux. Ah, t'inquiète pas, mon amour, je gère. Merci. Merci. Attends. Ma sœur m'a donné un peu d'argent, son mari m'en a ajouté un peu, alors je suis venue te donner pour que tu achètes du vin de palme, des colas et tout ce qu'il faut pour que tu viennes voir mes parents. Dis-moi, c'est quoi ce regard? Quel genre de femme es-tu? Mon amour, tu sais que je t'aime beaucoup. Quand je dors, je ne rêve que de toi, je t'assure. Et quand je me réveille, ce n'est qu'à toi que je pense. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Sauf si c'est ton souhait, bien sûr. Mais comme je sais que ce n'est pas ce que tu veux, alors tu dois te dépêcher pour venir voir mes parents pour que nous puissions vivre ensemble pour toujours. Tu sais... Personne n'est parfait. Mais tu l'es presque. Et ça me fait peur. Je t'aime. Je t'aime énormément. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci. Calista! Calista, arrête-toi, non? Ah, tu ne voulais pas t'arrêter? Bref, tu te rappelles quand je t'avais dit que tout ce que Dieu fait est bon? Maintenant, regarde-toi, t'es seule dans ce village, ton amour est mort, hein? Écoute, laisse-moi te dire, et même s'il est mort, il est encore mieux que toi, Choco. Oui! Ah, mais Cali... Foutaise! Écoute, laisse-moi te dire, hein? Tout le monde qui insulte Montou dans ce village, bientôt, il vous montrera de quel bois il s'échauffe. Il vous prouvera tout ce que vous aviez eu tort. Tu le détestes à ce point, hein? Écoute, Kim, laisse-moi te dire. Hmm? Je ferais mieux de rester célibataire que d'épouser ce Tochoukou. Parce qu'il est... Il est bon à rien. Il est juste bon à rien. Bientôt, tu sauras qu'il sait faire quelque chose. Très bientôt, il vous prouvera à tous dans ce village qu'il sait faire quelque chose. C'est quoi ton problème? Tout le temps, Tochoukou vous prouvera que vous aviez tort. Et en plus, ne dit-on pas souvent que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, hein? Hé, hey, Joseph, va appeler Joseph qu'il vienne démonter les roues. Maman Ndo. Ndo. Oh. Désolée. 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 Oh. Bima. Désolée. Mon cœur. Mon cœur. Ma, Tochuko a apporté quelques provisions et il m'a même donné un peu d'argent pour t'acheter quelques médicaments. Où a-t-il trouvé cet argent? Cinquième que le lui a donné. Cinquième? Cinquième comment? Cette fille. Ma petite Cinquième. Cette fille aime vraiment cette famille. Dieu va la bénir. Si beau, maman. Elle fera une bonne...
Belle fille. Désolée, maman. Désolée. Ça me rappelle même quelque chose. Grand frère Tuchuku m'a dit qu'il ira chez ses parents pour payer sa dot demain matin. Où a-t-il eu de l'argent? Ma maman, Kwamo. Ma maman, Batadjou. J'espère que Tuchuku n'est pas devenu un mauvais garçon. Qu'il n'estorque pas de l'argent aux gens. Maman, arrête de parler comme ça. As-tu élevé un voleur? Enseigne-nous. Oh, Jonathan. Maman, Jonathan. Il t'expliquera mieux à son retour. Je le dis juste parce qu'il n'a pas d'argent. Désolée, maman. Mon cœur. Je t'en bats. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Ma prépare à manger, il sera bientôt de retour. J'arrive, maman. Ok, Nim. Ok, Mbo. Olin. Eriten. Sois le bienvenu. Nous sommes venus pour demander votre fille Nkem en mariage. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Vous le connaissez, non? C'est mon frère. Lui, c'est mon neveu. Oui. Bien que j'ai demandé à mon neveu d'attendre jusqu'à ce qu'il soit assez prêt. Vous savez, parce que même moi, je ne donnerai pas ma fille en mariage à un homme de sa condition. Arrête ça! Arrêtez quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce mauvais de dire la vérité? Ok. Ichiongweze. Nous sommes ici pour demander la main de votre fille. À toi de voir. La balle est dans... James! Hein? Donc... Tu as amené ton pauvre neveu chez moi pour épouser ma fille? Il l'a amené. Êtes-vous venu ici pour m'insulter? Écoute. Ce jeune homme que tu appelles pauvre aujourd'hui pourrait être un roi demain. Pour lui et sa famille et votre génération. Ah, mon frère, le mariage apporte le bonheur et il ouvre la porte à la réussite. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de réussi chez cet homme. As-tu déjà vu la fille en question? Non. Tu ne l'as pas encore. Je ne la connais pas. Nkendelim. Nkendelim. S'il te plaît, viens. Papa. Tu parles trop. C'est très bien. Oh, elle est vraiment... Voici la fille pour qui vous êtes venu demander la main en mariage. Regarde. Ouais. Hey. Pardon, tonton. Chineke. Hey. Hey. Donc du coup, tu es méchant. Tu n'es pas seulement méchant. Tu es gourmand et égoïste. Hey. Tu veux dire... C'est elle la fille que tu veux qu'on épouse. Ah, je le jure devant Dieu. Donc du coup, tu ne peux pas entretenir cette fille. Regarde. Ah! Je le jure devant Dieu. Donc du coup, tu ne peux pas entretenir cette fille. Tu ne peux pas. Hey James, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce mal de dire la vérité? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends ce qui ne va pas avec lui. Hein? Quoi? Comment est-ce qu'un homme qui ne peut même pas acheter un lait de toilette pour ce genre de peau, peut-il entretenir une telle beauté comme je la vois ici? Ha! Non, negemche, nenoko. Ha! Non, ce n'est pas du tout possible et ça ne va pas marcher. Taguanezemo, zerunema. Otarome kwanda. Maintenant, je vais te demander. Si c'était ta fille, ta propre fille, dis la vérité. Allais-tu la donner en mariage à un homme de cette condition? Donc, du coup, ça ne marchera pas parce que moi, je suis en train de te parler. Je ne donnerai pas ma fille en mariage à un homme de cette condition. Merci. Allons-nous-en. Merci parce que tu viens de dire la vérité. Hey, il faut. Nemaloma. Tu savais déjà quelle était ma réponse. Qui n'est que... Hein? Hein? S'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Simple. Elle est destinée à un enfant de riche. Bien. Une personne avec des maisons. Exact. Et un bon business. Ouais. Pas n'importe quel exact. Business.
un bon business. Mais papa, je l'aime. Tu vas te taire. Ferme ta bouche. Allez, pars d'ici. Retourne à la maison. Que sais-tu de l'amour? Écoute, Naï. Hey, ferme ta bouche. Ne dis pas un seul mot. S'il te plaît. Je vous ai demandé de sortir de chez moi. Sortez de ma maison. Tu vois, tu es peut-être mieux que lui aujourd'hui. Mais il pourrait être mieux que toi demain. C'est clair. Il ne sera jamais un homme riche. En effet, la pauvreté dans vos clefs. Ah, Amba, tu dis, hein? Aide à la. Eh bien, Clément Dania. Biko, aide à rien. Tu dis que son père est mort pauvre, homme riche. Est-ce que je suis pauvre? Son père était mieux que toi quand il était en vie. Et tu racontes des bêtises. Surtout, n'y pense même pas. N'importe quoi. Écoute, tu n'es pas qualifié pour être dans notre famille et nous ne pouvons te prendre pour épouse. Tu n'en es pas qualifié. Tu m'entends? Si je te vois dans ma famille, je te tue. N'importe quoi. Allons-nous-en. Vous ne venez pas? Merci infiniment. Non! Retourne dans la maison. Viens, allons-y. Papa, Biko, s'il te plaît. Désolée. Ndoma. Ozubo. Odo. Odo. Désolée, ma. Qu'est-ce qu'il a? Maman? Es-tu de retour? Hein? Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Eh bon, ça s'est bien passé, mais ton visage ne montre pas. La déception est affichée sur ton visage. Maman, s'il te plaît, arrête. Ne t'en fais pas pour moi, écoute. Va faire son sac, je vais l'amener à l'hôpital. Grand frère, je vais l'amener à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'y va pas. Sauf si la fièvre continue demain. Non, j'irai bien. Amour, Guinésie. J'irai bien. J'ai juste froid. C'est le changement du climat. Maman. Mais demain, j'irai mieux. Tu n'es pas au changement de climat, tu es vraiment trop malade. Je vais t'amener à l'hôpital, maman. Oui, Nadia, tu es très malade. J'irai mieux. Anne. Oui. Alors, dès que je reviens. Ma, je suis vraiment désolée. Regarde mon fils. Hey, regarde mon fils, non. J'ai pitié de mon fils. Ma, c'est bon. Moi aussi, j'ai pitié de mon fils. Mais la vie continue. On peut pas se tuer. J'ai vraiment pitié de mon fils. Tout ce que Dieu fait est bon, tu entends? Pas du tout. Tout ce que Dieu fait n'est pas toujours bon. Parfois, il est injuste. Imagine qu'ils disent qu'ils ne poussent pas Nkem. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble dans ce village, c'est ça qui est bien. Mais parfois, ce Dieu est injuste. Anna, laisse-moi te dire, la vie n'est pas ce que tu penses. Nadia, maman. Bidé. Est-ce que je peux te parler?
mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis venue m'excuser de la façon dont mon père a traité tes oncles et toi hier. S'il te plaît. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi ils se sont comportés ainsi, crois-moi. Tu n'as vraiment pas besoin de t'excuser pour ça, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que t'as été humiliée à cause de moi. C'est de ma faute et j'en suis désolée. Je n'ai absolument rien contre ton père. Tout le monde veut bien sûr le meilleur pour ses enfants. Et au regard des choses, je ne suis pas le meilleur. Je ne suis même pas prêt. Je ne veux rien entendre de tout ce que tu dis, s'il te plaît. La seule chose qui importe, c'est que je t'aime. Je t'aime et c'est tout. Je t'aime, Toshi, et c'est la seule chose. Grand frère, je ne sais pas ce qui arrive à maman. Viens, je ne sais pas ce qui arrive à maman. Mon oncle, j'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce qui te pose ? Personne ne me poursuit, j'ai besoin de ton aide. Ma mère est très malade. Hey ! Toi, tu cours. Hein ? Je te l'ai dit, arrête ! L'automédication. Amène cette femme à l'hôpital. Je l'ai fait. Ils m'ont donné une liste de médicaments à acheter. Ils ont également dit qu'on doit faire certains examens. Le tout s'élève à 40 000 naira. Hey ! Oui. 44 ? Hey, Tochoko, écoute, je n'ai pas une telle somme. C'est pas vrai. Tu sais, je te l'ai dit, j'ai vendu mon terrain pour envoyer tes cousins en Amérique. Je n'ai pas une telle somme. Honnêtement, au moment où je te parle, tout ce que j'ai... Attends. Trois, quatre, cinq, six, 6 000. Je compte utiliser 500 naira, alors je te donnerai le reste. Hein? D'accord, mon oncle. Ne t'inquiète pas. Vas-y, tu peux commencer par faire une avance. Je verrai mes amis pour leur demander de l'aide. D'accord, merci, mon oncle. Vas-y, rapidement. Merci. Ah, où vais-je commencer? Qui irais-je voir? Tochoku. Je ne vais nulle part avec toi. Je n'irai plus là-bas. Jamais. Tu veux m'amener dans cette maison pour que ta mère me manque de respect? Je n'irai plus jamais à cet endroit. Je n'irai plus jamais. Pourquoi tu as l'OCD? Je ne t'emmène nulle part. Écoute-moi juste et comprends mon problème. Mon oncle. Hein? Dans ma maison? Je devrais t'écouter. Ikono, désolé. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Écoute-moi. S'il te plaît. Ma mère est vraiment très très malade. Son cas est critique. Hein? Ouais. Amène-la à l'hôpital. Ai-je une clinique ici? Amène-la à l'hôpital. Tu as raison, monsieur. Je l'ai fait. Je l'ai amené à l'hôpital. Ah, c'est bien. Ils m'ont demandé de payer 44 000 pour ses médicaments et ses examens. J'ai quand même pu avoir 10 000 naira. C'est pour cette raison que je suis ici. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Hey! Tu es le plus idiot du siècle. Tu sais que tu es un vrai idiot. Je ne sais pas comment te qualifier. Je ne sais pas quoi te dire. Tu veux dire, dans 44 000 naira, tu n'as apporté rien que 10 000? Pour soigner ta mère. Oh mon Dieu. Tu fais vraiment honte. Et c'est comme ça que tu m'as amené chez Mouezé. Pour demander la main de sa fille. Cette belle fille. Dis-moi, comment allais-tu prendre soin d'elle? Dans 44 000 naira, tu n'as plus qu'apporter 10 000 naira. Non mais est-ce que tu es normal? Mon nom, s'il te plaît. Pas de problème, j'accepte. Biko, écoute, je ne t'amènerai plus jamais quelque part. Ça n'arrivera plus, s'il te plaît. C'est mieux. Mais ce n'est pas mon véritable problème pour l'instant, mon oncle. Aide-moi. Donne-moi un peu d'argent. Aide-moi à compléter ces 10 000 pour que je cours à l'hôpital. Exactement. Tes problèmes sont tes problèmes et tes problèmes te suivront toujours. Je n'ai même pas un centime à te donner. Ne dis pas ça, mon oncle. Je n'ai pas. Tu ne peux pas dire ça. Fouille tes poches, s'il te plaît. Je vais fouiller ma poche. J'ai de l'argent. Tu es aussi têtu que ton défunt père. Très têtu. S'il avait accepté de travailler pour le gouvernement, c'est que maintenant, vous profitez de sa pension retraite. Je profite de ma pension et de ses avantages. Et maintenant, tu veux que je le dépense sur ta mère? Non, je ne peux pas gaspiller mon argent, j'en profite. Écoute, mon oncle, ce ne sera pas un gâchis puisque je vais te rembourser. Ce ne sera toi, pas un gâchis. Rembourser?
dans un siècle, quand je serai mort, tu vas me rembourser? Comment? Je n'ai pas d'argent, s'il te plaît. Je n'en ai pas. Tu es mon oncle. Je suis ton oncle. Et alors quoi? Dois-je dépenser tout mon argent, peut-être? Pour envoyer ta mère à l'hôpital? Laisse tomber. Pourquoi? Tu t'imagines? Manoukouan manao. Eh? Pêche à nous, erime ni wana. Ngeji wana no doku, pêche moutoutana. Mon amour, voici ce que je t'ai gardé. J'espère que tu ne l'as pas volé à tes parents. Non, t'inquiète pas. Je l'ai pris dans ma caisse. Je l'ai cassé aujourd'hui. Ta caisse? Ouais. Tu tiens une caisse? C'est l'argent que je mettais de côté pour notre mariage. Je ne sais même pas quoi te dire. Merci. Merci infiniment. Que pourrais-je bien faire pour toi? T'en fais pas, tu me remercieras plus tard. Allons donner cet argent à l'hôpital pour qu'il commence à s'occuper de maman. Ouais, t'as raison. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Anne, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi ce visage triste, hein, Ogini? Maman est morte. Hey! Maman est morte. Ogugwanu. Ogugwanu Zanoike. Without money, everybody gonna look you down. Money na power. With money, you go fit on the ground. Oh God. Ah, boss. Odien Mamna. Tochuku. Boss. Oye Mamma. T'es un pro, toi. Je veux dire, pour laver les voitures. Ah ouais. Oh, je sais y faire. Ouais, monsieur, je lave. Écoutez, pas seulement les voitures. Je lave de tout. Tout ce qui est lavable, je lave. Même si vous voulez que je lave les assiettes pour vous, hein. Je lave. Ouais, je vous assure, je suis disponible. Vous pouvez vous renseigner. Anbazabelego. Tant que vous me donnez de l'argent, c'est mettre dans ma poche, pas de soucis, je laverai tout ce que vous voulez. T'es sérieux, là? Guo. Tochuku, viens, viens. Mm-hmm. Hein? Viens, laisse-moi te donner quelque chose pour le travail que tu fais. Oh. Oui. Attends. Hi. Prends ça comme argent de poche. Uh-huh. Oui. Oui, je t'en prie, boss. Je t'en prie. Y a pas de merci, quoi. Boss. D'accord. Dieu vous bénisse. Boss, Biko, yo, anyway. J'aimerais vous parler de quelque chose si ça ne vous dérange pas. Aucun problème, j'espère. En fait, il y a un problème. Il y a un problème et je fais tout pour le régler. S'il vous plaît. Les obsèques de ma mère, c'est la semaine prochaine. Je n'ai même pas un centime. Et vous savez, sans argent, je ne peux absolument rien faire. Tout le monde ne regarde que moi. Je suis l'unique fils, le premier fils, le seul fils, tout. Je vous en prie. Aidez-moi, je vous en prie. Alors, que veux-tu que je fasse? Je voudrais que vous m'aidiez avec un peu d'argent, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent. Même si c'est un prêt. Hein? Après l'enterrement, donnez-moi un peu de temps, je vous rembourserai. Un prêt? Il n'y a pas de problème. Je te donnerai 100 000 pour les obsèques de ta mère. Hein? Vous êtes sérieux? Hey! Oui. Tchaï! Je te donnerai 100 000. C'est pas vrai, boss! Vous voyez ce que j'ai toujours dit. Vous êtes différent des autres boss, de mauvaises personnes partout. Je vous jure. Boss, c'est énormément d'argent. Honnêtement, vous savez,
Avec 10 000 naira, je m'occupe très bien des obsèques, même le service funéraire. J'aurai toujours assez d'argent pour un autre. Dieu vous bénisse. Merci, boss. Mais... hein? À une condition. Je veux quelque chose en retour. Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ta petite amie. Hmm? Oui. Pardon? Qu'elle me plaît. Oui, je l'ai toujours désirée. J'ai essayé de faire des choses pour qu'elle me regarde. Mais elle n'a pas voulu le faire à cause de toi. Boss, Kem est ma petite amie. C'est la femme que j'ai toujours voulu épouser et ça ne saurait tarder. Pourquoi parlez-vous ainsi? Tochuku, il n'y a pas d'amour sans argent. Écoute-moi, j'ai toutes ces choses dont Kem aura besoin. Toi, tu ne les as pas. Donc, ce que tu dois faire est juste de la laisser avancer. Convainc-la de me donner une chance. Ok. Maintenant, je vais être clair avec toi. Laisse-la venir à moi et j'augmenterai ton salaire mensuel. Oui. Pas de problème, Dobici. Pas de problème, Dobici. Tu as été clair. Maintenant, je sais très bien comment cette conversation va se terminer. Moi aussi, je vais être très clair. J'aime Kem énormément. Et aucune somme d'argent ne me fera jamais l'abandonner. Pour rien au monde. Vous m'avez compris? Jamais. Retenez-le. Allez laver vous-même votre voiture. Tu viens juste de fermer la porte aux choses que je voulais te donner. Hein? Tu viens juste de leur fermer la porte. Même les habits, les chaussures que j'ai achetées pour toi. Écoute, crois-moi, je donnerai toutes ces choses à ce vieux fou qui reste sur la place du village. Tu peux toujours partir et aller enterrer ta mère. Comme un poulet. N'importe quoi. Ok, mon frère, il faut que j'aille maintenant. J'ai une importante réunion et il faudrait que là j'aille, mon frère, d'accord? Merci infiniment pour ton aide. Merci, Max. Allez, mais c'est rien, ça. Merci, grand frère. À quoi servent les amis? Mais c'est à ça, mec. Mec, si je ne vais pas ici, où est-ce que je vais t'aider, mec? Et si je ne le fais pas, c'est la seconde guerre mondiale, mec. C'est ça, mec. Alors, tu sais, vérifie comment ça se passe, d'accord? Parce qu'on ne sait jamais. J'arrive. Sœur, là, je dois partir. Grand frère, bye bye. Ah, okay. Au revoir. Merci. D'accord. Hey. Grand frère. Je ne comprends rien, Maxwell m'a rien dit de bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait juste me donner son numéro de téléphone. Il dit qu'il n'a pas d'argent. J'ai perdu mon temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce papier? J'en sais rien. Ils n'accepteront pas ça. Mais je vais essayer. Je vais essayer de voir s'ils peuvent le prendre. Hi, Ogwo, okay. 1000 naira. On peut faire autre chose. Tu vois toutes ces bouteilles que Max a apportées? Également. Nous coignées. Moi, dans Okuso, on peut les vendre pour leur rembourser leur argent. Izioku. C'est la seule solution. Aïe. Oh. Aïe. Hey, mon beau fils, un peu de couleur. Bien sûr. Soyez les bienvenus. Merci. Merci, mon frère. Mon beau fils, je suis désolée, j'ai oublié de vous proposer quelque chose à manger. Maman, il y a le temps pour tout cela. Dans ce cas. Sois le bienvenu. Où est ma femme? Tu connais les femmes. Elle prend tout son temps pour ça. Il faut qu'elle soit très belle pour qu'on puisse la voir. Tu sais quoi, Teresa? Va appeler ta fille. Non, attends, maman. Attends. Laisse-moi d'abord te donner ceci. Papa, ceci, c'est pour toi. Hey! Idiot! Bien sûr. Hey! Et qui est ce type? Okay. Mon petit frère. Merci, mon beau-fils. Tenez. Mon fils,
Tu es le bienvenu. Hmm? Je savais. Hey! Hmm. Teresa. Bien. Va m'appeler. Ozo, ozo. Nkam? Nkam, Didim? Et comment se passent les affaires? Nam? Bien. Odo. Je suis très bien. Duo? Oui. Dieu merci. Sois le bienvenu. Vas-y, passe par là, passe par là. Voilà. Ah. Oui. Elle est là. Tu as du goût, toi. Voici ma magnifique épouse. Elle est vraiment très belle. Je ne suis pas ta femme et je ne serai jamais ta femme. Plus tôt tu le comprendras, mieux ça vaudra. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Vous perdez votre temps. Veux-tu fermer ta bouche? Tais-toi! Es-tu malade? Que se passe-t-il? Ok. Le message est passé. Mon beau-fils, c'est juste... calme-toi. Juste calme-toi. Et c'est juste... Tu ferais mieux de prendre ton vin, tes ignames et tout ce que tu as apporté. N'oublie pas ce que tu leur as donné, parce que je ne serai jamais ton épouse. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Tu ne comprends pas ça. Suis-je la seule fille dans ce village? Suis-je la seule personne que tu as vue dans ce village? Osundu, porte tes ignames, ton vin et tout ce que tu as apporté et pars, parce que je ne serai jamais ton épouse. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Oh, Guinée. Patron. Mon argent. Naï, calme-toi, je t'ai dit, calme-toi. Papa, donne-lui son argent, non? Ah, j'ai dit mon argent. Qui te rembourse tout ton argent, patron? Laisse. Tu ne restes même pas avec un centime. Laisse-moi, je vais lui parler. Donne-moi mon argent. Maman, donne-lui. Récupère tout ton argent. Allez, on prend tout, on s'en va. On est là, sortir mourir, allez, on y va. Allons-y. Allez, lâche ça. Si je vais parler avec... Allez, allons-y, allons-y. Je vais parler. On lui parlera. Bon retour, je ne revenez pas. Au revoir, reviens, mon beau-fils. Je vais causer avec ma fille. Je vais causer avec elle, ne va pas. Attends, mon beau-fils, reviens. Naï. Hey. Maman, calme-toi, ce n'est pas un homme. Hey, papa, attends! Casey! Casey! Eh, viens, doucement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on te poursuit? Mes parents... Hein? Mes parents ne veulent pas me laisser tranquille. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Bim, enfuyons-nous. Hein? Allons ailleurs et commençons une nouvelle vie. Hein? Écoute, je ne veux pas être avec un autre homme en dehors de toi. Biko... Viens avec moi. Non. Mon amour, calme-toi. Écoute, tu es stressée. Et toute décision prise dans ce genre de situation n'est généralement pas bonne. Ok? Écoute, je viens juste d'enterrer ma mère. Je ne peux pas laisser ma seule petite sœur y m'enfuir. Mais elle peut venir avec nous. Et nous vivrons ensemble comme une famille heureuse. Mon amour, j'ai dit non. Ça, c'est mon village. Je ne peux pas m'enfuir à cause de quelqu'un, non? Tu ne comprends pas. Pas du tout. Mes parents ne me laissent pas tranquille, Obi. Ne me fais pas ça, Biko. Mon amour, je sais. Je comprends très bien que tu es sous pression. Mais tu dois essayer de tenir bon. Ok? Je suis fatiguée de lutter. Ne sois pas fatiguée. Tu m'aimes énormément et moi aussi je t'aime. On doit se battre. Se lever et lutter pour notre amour, s'il te plaît. Je sais quoi faire. Je partirai de ce village. Hein? Mon amour, j'ai comme l'impression que tu veux déjà renoncer à nous. Pas du tout, j'irai juste rester chez ma tante dans le village Akama. J'espère qu'elle au moins me comprendra.
Mon amour, tout finira par s'arranger, hein? Viens, viens. Calme-toi. Tout finira par s'arranger. D'accord? Tochuku, je t'appelle. Oh, Guini. Comment ça, quoi? Ah, donc tu as réussi à m'éloigner de ma meilleure amie, n'est-ce pas? Elle a fui à cause de toi. Je ne sais même pas qu'elle voit en toi. Parce que tout ce que je peux voir, c'est l'échec. Paresseux. Je veux dire, tu es un homme sans avenir. Calista, pourquoi me détestes-tu autant? Oui, je te déteste. Je te déteste parce que tu déçois mon ami Tochuku. Mais je ne la déçois en rien. Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Je ne la déçois absolument pas. Mmh. Oui, je l'aime énormément et elle aussi, elle-même. Tu veux qu'elle me laisse pour commencer à t'aimer, toi? Mon œil. Laisse-moi te dire, écoute-moi. Peu importe ce que tu lui as fait, va le défaire. J'espère que tu m'entends. Peu importe ce que tu as fait, va le défaire avant que tu ne sois démasqué. Regardez-le. N'importe quoi. Tu n'as même rien, mais tu aimes. C'est l'amour qu'elle va manger. Tochuku! Onye! Où est ton frère? Bon après-midi. Tonton, où est ton frère? Il dort à l'intérieur. Appelle-le. Tonton, il n'aime pas. Je dis, réveille-le! Sinon, je le fais moi-même. Va le réveiller. Je dis qu'il dort comme un grand homme. Il arrive. J'espère qu'il arrive. Il arrive, tonton. Va le réveiller! Tonton, il arrive. Je l'ai déjà réveillé. Tochuku! Je suis là. C'est grave. Un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu récupérer mon argent. Je suis venu tout récupérer. L'argent que je t'ai prêté. Pour louer des tentes. Acheter des boissons pour le deuil de ta mère. Les gens qui m'ont prêté de l'argent me tiennent au cou. Et j'ai besoin d'argent pour les rembourser. C'est pour ça que je suis là. Mon oncle, en quoi cela me concerne-t-il? T'ai-je demandé d'aller emprunter de l'argent? Je pensais que tu le faisais de ton propre chef. Exactement. Je suis Mère Teresa. Je suis Saint-Antoine de Padoue. Je suis même le président. J'ai de l'argent. Donne-moi de l'argent, je vais les rembourser. Mon oncle, calme-toi. Mais c'est vraiment très simple, hein? Tu n'avais vraiment pas besoin de te déranger si tu n'avais pas d'argent. Au lieu d'aller t'endetter auprès des gens, il fallait nous laisser. On allait enterrer notre mère calmement. Plus tard, on aurait fait les funérailles le moment venu. C'est ce que je reçois en retour. Parce que j'ai voulu t'éviter la honte. J'ai voulu t'éviter la honte. Maintenant, c'est ce que tu me donnes en retour. Non, écoute, mon oncle, s'il te plaît, va-t'en. Honnêtement, écoute, je fais tout ce que je peux pour ne pas te manquer de respect. C'est ta honte? Hein? Est-ce que c'est ta honte? De quelle honte est-ce que tu parles? On t'a supplié? Hein? Non, Naï, ce n'est... Tu ne peux pas faire ça. Hein? De quoi est-ce que tu parles? Cette honte est la nôtre. Comment peux-tu venir ici et commencer à décider de nous éviter la honte? Demande à ma sœur, nous avons toujours vécu avec la honte. C'est normal, même avec notre mère de son vivant. Nous vivions tous dans la honte. Tu sors de nulle part pour nous éviter la honte alors qu'on ne t'a rien demandé. Très bien, tu as couvert notre honte, mais cherche de l'argent et rembourse ces gens. On ne t'a rien demandé. Quoi? C'est pas vrai, non, je n'ai pas d'argent à te donner. Non. Tu dois me rembourser. Et comment? Vends le terrain, donne-moi l'argent pour les rembourser. Vends le terrain! Quel terrain? Combien tu en as? Hein? Ok. Maintenant, je vois. Je vois où tu voulais y arriver. Ton problème, c'est mon terrain. C'est ce que tu vises. Tu veux prendre mon terrain. Ça n'arrivera pas. Je n'en ai qu'un et je ne le vendrai pas. Je ne le vendrai pas. Parce que tu dois me donner l'argent pour rembourser les gens à qui je dois. T'ai demandé d'emprunter de l'argent? Nai. Avec tout le respect, Aneti Konuizo, on ne te doit pas. D'ailleurs, mets-toi dehors. Attends! Sors de notre concession! Rinaute! C'est à moi que tu parles? Hey! Attends, c'est à moi que tu parles! Oui, c'est à toi qu'elle s'adresse! Je dis que c'est à moi que tu parles! C'est à toi qu'elle s'adresse! Oui, c'est à toi! Sors! Oh, même toi, tu me bloques le passage! Oui! Tu m'empêches de passer! Oui! Je vais revenir! Quand je reviendrai,
tu me donneras cet argent. Ok, va-t'en. Et si tu veux que je te dise certaines choses, je te le dirai. Ouais, et toi, ne me parle plus jamais, c'est même pas. Hein? Mon oncle. Un autre geste déplacé comme ça de ta part, et je vais oublier que tu es mon oncle, je te préviens. Hey! Toi. Je reviendrai. Juan Edo. Quand je reviendrai, eh bien, tu verras. Vas-y. Hey! Oh, Ige, bye bye. Hey, Chineke, Oyima Dada. C'est quoi ces bêtises? Est-ce obligé d'éviter la honte à quelqu'un? Ama, Kwan. Hein? Les gens vivent dans la honte, c'est normal. Ah, nous sommes habitués, tu sors de nulle part pour venir nous éviter la honte. Biko, tu ne sais pas qu'avant de décider d'éviter la honte à quelqu'un, tu dois en parler avec la personne. Demander la permission à cette personne. Par exemple, mon fils, puis-je t'éviter la honte? Exactement. C'est à lui de te donner la permission. Exactement. Si c'est la honte à laquelle nous sommes habitués, viens nous éviter la honte. Je sais. Même du vivant de notre mère, nous étions habitués. Les gens vivent avec la honte, c'est normal. Les gens sont habitués à ça. Quelqu'un sort de nulle part pour dire qu'il nous a évité la honte. N'importe quoi. Ne t'occupe plus de lui. Et même s'il revient, hein, crie juste mon nom et comme ça je sortirai. Mmh. Il va m'entendre passer. Laisse-moi finir ce que j'ai à faire. Mdoubissi. Nkem Delem. Mmh? Comment tu vas? Je vais bien, bon après-midi. Bon après-midi, où vas-tu? Je m'en vais chercher quelque chose pour ma mère. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? De quoi parles-tu? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me donner cette chance que je te demande? Nkem, écoute. Ce que je dis, c'est que donne-moi cette chance et tu ne le regretteras jamais de toute ta vie. Mais regarde-toi. Regarde combien tu es belle. Regarde tes cheveux. Ton soi-disant petit ami ne peut pas prendre soin de toi. Regarde tes vêtements. Donne-moi cette chance et je transformerai tout ceci. Ok, écoute, l'autre jour, ton petit ami est venu me demander de l'argent pour l'enterrement de sa mère. Pense-y. Maintenant, écoute, tout ce que je te demande, c'est de me donner cette chance. Et crois-moi, je transformerai absolument tout dans ta vie. Tes vêtements, tes cheveux, ton style, tu ne manqueras jamais de quoi que ce soit. S'il te plaît. Ok. Ok, genre, tu vas me donner une cam d'élim. Un problème? Oui, il y a un problème. Quel est le problème? Je suis venu t'avertir de laisser tout Choco et sa soeur tranquille. Tu viens me prévenir? Oui. Dans ma maison? Dans ta maison? C'est quoi ces bêtises? Mais tu racontes des bêtises. Que je les laisse tranquilles? Pourquoi? Je suis allé les voir pour qu'ils me remboursent l'argent que j'ai dépensé lors des obsèques de leur mère. Il y a quoi de mal en ça? Tu as demandé de leur prêter de l'argent pour enterrer le père. M'ont-ils demandé? M'ont-ils demandé? Pourquoi es-tu ainsi? Les enfants de ton frère? Olissa, notre frère, pouvait-il traiter tes enfants de la sorte? L'aurait-il fait? Alors, de quoi tu parles? Ah, je te préviens, pour la dernière fois, reste loin d'eux. Sinon, je m'occuperai personnellement de toi. Et que ce soit la dernière fois que tu viennes dans cette concession pour me prévenir, me crier dessus et me... Oh, Dieu! Tu as perdu la tête? Essaie ça une prochaine fois et tu verras. N'importe quoi. Money, I go do anything just to get this money, 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 money. Without money, your life no get any meaning. Cha, cha, money na bastard. Without money, everybody go to look you down. Money na power. With money, you go fit on the ground. Oh God, make you help me to make this rubber. Oh God, make my money to flow like water. Money on, money on, hey, money on, money on, money on, money on, money on, I want to make this money, money on, money on, money on, I want to make this money, money on, money on, money on, money on, I could do anything just to get this money, 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 money. Without money, your life no get any meaning. Cha, cha, money na bastard. Without money, everybody go to look you down. Money na power. With money, you go fit on the ground. Oh God, make you help me to make this rubber. Oh God, make my money to flow like water. Money on, money on, hey, money on, money na power. Money on, money on. Donne-moi ma nourriture. Grand frère, je n'ai pas préparé. Moi-même, j'ai faim.
Je suis allée au marché avec l'argent que tu m'as donné. Ils ont refusé parce qu'il y a une marque dessus. Ah. Hey, pas ça. Cet argent était notre dernier espoir. Prends ces palmistes. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? En Kouwadi, que fait-on maintenant? Cet argent était notre seul espoir. C'en est véritablement déjà de trop. Notre mère est morte parce que je n'avais pas d'argent pour ses médicaments. Je n'ai pas le droit d'aimer parce que je suis pauvre. Notre oncle nous traite, ma sœur et moi, comme du n'importe quoi. Juste parce que nous sommes pauvres, hein? Je ne peux même pas donner à ma petite sœur 2 repas par jour, Seigneur. Allons-nous vraiment continuer ainsi, hein? Donne-les-moi. Naï, mec. S'il te plaît, mec, je souffre énormément. Je te le dis, Anabaf. Je souffre, crois-moi. Je suis fatigué de ce village. Mais, Naï, tu penses que c'est facile? Hein? Tu penses vraiment que c'est facile? Devrais-je dormir sous un pont à mon arrivée? Je n'ai absolument nulle part où rester en ville. Merci. Merci infiniment, que Dieu te bénisse. Mon Dieu va te bénir. Merci. Écoute, première heure demain, je serai là. Ok, pas de problème. Hey. Merci. Merci, Seigneur. Je m'en vais en ville à la première heure demain matin. Qui connais-tu en ville? Maxwell. Maxwell. Mm-hmm. Hey, Bizioko. Oui. Hey, grand frère, c'est une bonne nouvelle. Je viens juste de l'appeler, il m'a demandé de venir, il dit qu'il verra comment m'aider. Hey, Jésus d'Alou. Oh, oui. Après, quelques petites choses pour moi. Mets du gari, mets du gari et l'huile de palme. Je retourne au champ, je vais voir si je peux trouver un pot de plantain dans le mur. D'accord. Tu les mettras ensemble. D'accord, vas-y. Vas-y, fais-le. Hey. J'espère juste trouver quelque chose. Merci, Seigneur. Grand frère, je m'en vais le chercher. Hey. Tochoko. Bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? S'il te plaît, prends une chaise. Hey. On dirait que tu te régales. Ah oui, bien sûr. Tiens. Merci, mon oncle. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Alors. Comment tu vas? Je vais bien, mon oncle. Je vais très bien. J'espère que ton oncle, James, ne vous dérange plus. À fond à vos moyens. Mais toute ma gratitude te revient. Oui, tu as toujours été bon envers moi et ma sœur. Ça me touche énormément. Je t'en prie. Tochoko. J'ai été le même saint que ton père. Ne l'oublie pas. Ta sœur et toi êtes mes enfants, mon propre sang. Donc, s'il devait vous arriver quelque chose, ça devra d'abord passer par moi. Merci, mon oncle. Comment faites-vous pour vous en sortir? Mon oncle, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. En fait, c'est pour cette raison que je suis venu te voir, mon oncle.
J'ai parlé avec un ami à moi qui vit là-bas en ville. Il m'a demandé de venir. Ainsi, il verra ce qu'il peut faire pour m'aider. C'est une bonne chose. Mais qui est cet ami à toi et que fait-il dans la vie? Ok, il s'appelle Maxwell. C'est un homme d'affaires. Le fils de Mazieke. Oh, ce garçon. Oui. Très respectueux. Oui. Il ne permet pas que son argent soit dépensé n'importe comment. Jamais. Alors, quand comptes-tu partir? Demain. Demain. Oui. Hey! Tochoko. C'est si brusque. Je n'ai pas d'argent à la maison. J'attendais un peu d'argent de tes frères, mais jusqu'ici, rien. Je ne peux absolument rien. Oh, honnêtement, j'aurais vraiment voulu y aller demain. Tu connais les personnes riches. Quand ils te font une promesse, ils s'assurent de la respecter. Si leur humeur change, ça devient un problème. Tu as raison. C'est bon, il n'y a rien que je puisse faire. Je cours après le temps. Bien. Ok. Passe le bonjour à ta sœur. Ok, mon oncle. Merci infiniment. Hé! Que vais-je faire maintenant? Mais c'est une bonne idée. Tu sais bien que je vais revenir. Je veux que tu sois prudente. Parce que tu vois, dans ce village, tous les garçons sont pareils. Tu dois vraiment être très prudente. C'est leur travail. Hein? Je serai prudente. Hé, hey, mon amour. Je pensais que tu ne viendrais plus. Eh bien, j'ai reçu ton message, mais je n'avais pas de temps pour te répondre, alors je t'ai apporté ceci. Jai. Que ferais-je véritablement sans toi? Merci infiniment, merci pour absolument tout. Je t'en prie. Je te fais la promesse que quand je serai là-bas, je vais travailler dur. Crois-moi, je travaillerai très dur. Et je suis sûr que je réussirai. Puis je reviendrai pour toi. S'il te plaît, prends soin de ma petite sœur, d'accord? Hey. Non. Nae. Tochoko. Hein? Bienvenue, Nae. Tu t'en vas déjà? Oh oui. Eh bien, j'ai quand même pu trouver ces 10 000 Naira chez mes amis. S'il te plaît, ajoute-les à ce que tu as déjà. Nae, merci. Merci, merci infiniment. Merci infiniment. Ce n'est rien. Par, ce village n'a rien de bon. C'est pour ça que j'ai vendu le terrain que j'avais pour envoyer tes cousins à l'étranger. Toujours te rappeler de la famille d'où tu viens, d'accord? Tu n'es qu'un orphelin qui veut réussir. Mon fils, je vais prier pour toi. Bien sûr, mon oncle. Ma chérie, si tu me voyais là, si tu voyais la maison où je me trouve actuellement, sa maison est si grande. Je t'assure, ma chérie, tout est si beau, absolument tout. Si tu voyais ma chambre, j'ai une chambre. Ma chambre ici, crois-moi, ma chambre est même plus grande que notre maison au village. Mais si tu voyais son salon, je suis au salon présentement. Son salon est plus grand que la cour de notre village. De plus, tout est si beau et on me donne en plus de ça de la bonne nourriture. De la bonne sauce au nobo avec beaucoup de viande. C'est une très bonne personne. Oh, il a toujours été une bonne personne. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vu, mais ses employés me traitent très bien. Ouais. Un instant. Ok, je viens juste d'entendre sa voix, je crois qu'il est rentré. Je te rappelle. Oh, Nike. C'est comment, mon frère? Ça fait du bien de te voir. Mais regarde-toi. T'as fait un beau voyage. Oh, très bien. Très bien. Tes employés me traitent vraiment très bien. Oh, vraiment? Ouais. Ok, très bien, super. Et comment vont les gens de la maison? Tout le monde va bien. Ok. Pas de problème. Écoute, tu peux faire comme chez toi. Ok. Sois détendu, ok? Tu as même déjà commencé. Écoute, je vais m'échanger, je reviens, d'accord? D'accord, mon frère. D'accord. Ta maison est vraiment très belle. Mon frère, s'il te plaît, regarde, écoute-moi très bien. Ce n'est qu'une simple maison, mon frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ce que tu dis est bien.
Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Fais comme chez toi. Ça me va, ça me va. J'arrive. Yeah, Max Mann. Hein? Oh, Kiki. Oui, mais mon oh, garçon. Kiki. Attends, là, j'arrive, je m'échange. Oh, oui, je t'attends, je t'en prie. Hey. Hey, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ça me plaît tous de nous voir ici. Eh oui. Et le seul crime qu'il a commis, c'est de ne pas venir me voir un peu plus tôt. Leur juge l'aiderait avec une somme de 5 millions de naira. Dimba. Odogo. Odogo. Je lui donnerai 3 millions de naira. Ah. Intéressant. Je pense que je l'aiderai avec 3 millions de naira. Je vais lui donner 6 millions. Oui. Odogo. Ababi des mômes. C'est intéressant. Vous savez, on va faire comme à l'habitude. On va mélanger un peu tout ça. Max, c'est vraiment très drôle ça. C'est bon. Mec. Je me sens vraiment inutile. S'il te plaît, une minute sur le téléphone là. Donne-lui les 5 millions et ne t'en fais pas. Hein. Je vais m'occuper de ça. Vas-y, je t'écoute, frangin. Rejoins-moi. Hein? 5 millions de naira? Que tu envoies dans ton compte? Naï. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Hein? Regarde, mes amis. Ils sont là à parler de 5 millions de naira. Hein? Tout à l'heure, j'étais assis là à vous regarder. Tes amis et toi parler d'argent, de millions. Celui-ci dit 5 millions, l'autre 3 millions de naira, un autre 6 millions. Hein? Je n'ai même pas regardé certains d'entre eux. Je suis sûr que je suis plus âgé que certains d'entre eux. Mais je n'ai même pas 5 000 naira quelque part dans mon compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu penses que c'est une question d'âge? Regarde, c'est une question de personnalité, d'argent, de caractère. Écoute, ces choses sont dans ma tête. Bien sûr. Écoute, frère, tu sais, ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont des choses auxquelles je pense tout le temps et je sais comment les gérer. Écoute, Maxwell, aide-moi. Je t'en prie. Tu attends que je meure pour me donner un coup de main? Je t'ai parlé quand j'étais au village et c'est toi qui m'as demandé de venir en ville, que tu allais tout faire pour m'aider. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là. 2 semaines, et tu ne dis toujours rien. Tout ce que je fais, c'est manger, dormir, me réveiller, manger, dormir, me réveiller. Allez, mec. Pourquoi? Hein? Écoute, mec, aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, je peux même aller dans l'un de tes sites pour y travailler, comme un ouvrier, ou chef chantier. Ou encore superviseur, peu importe, contrôleur, compte marron. Au moins, à la fin de la journée, je pourrais rentrer avec un peu d'argent dans mes poches. Alors, je pourrais au moins avoir un endroit où aller, tu sais comme on le dit. Un homme oisif est un vrai danger. Je t'en prie. Ah, toi là, t'es un vrai moulin à parole, mec. Donc, tu penses que c'est en allant travailler dans les chantiers que ces gars se font tout cet argent? C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Pendant qu'on y est, pourquoi ne rêves-tu pas? Ne rêves-tu pas grand? Donc tu penses qu'être manœuvre dans un chantier te donnera de l'argent qui te fera construire une maison telle que j'ai construite au village? Spécialement celle-ci et les voitures dans mon garage? S'il te plaît, laisse-moi au moins se commencer là. Ok. Hein? Laisse-moi au moins se commencer. Ok, écoute-moi très bien. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Est-ce que tu m'as très bien compris? C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, hein? Mais si ce n'est pas ce que tu veux, mon frère, qu'il en soit ainsi. Et là, moi, j'ai une réunion importante. Et là, je suis déjà en retard, là. Il faut que je parte. Bon, écoute, on se voit plus tard, d'accord? Hein? N'attends pas. Pourquoi mes choses sont toujours... Où est cette fille? Anna! Anna! Où est-elle? Tonton. J'ai appris que tu étais dans ce champ. Qu'es-tu allé faire là-bas? Hein? Tonton. Je suis allée au champ pour récolter le manioc que mon frère et moi avons planté pour faire du tapioca. Écoute, cette plantation ne vous appartient plus du tout.
J'ai vendu le terrain et j'ai utilisé l'argent pour rembourser toutes les dettes que j'ai prises lors des obsèques de votre mère. Donc, je l'ai vendu et j'ai utilisé l'argent pour les rembourser. Donc, ce n'est plus votre terrain. Est-ce que tu m'entends? Tonton, tu as vendu le terrain de mon père. Tonton, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Toi et moi savons que ce terrain appartenait à mon père avant qu'il ne meure. Et aujourd'hui, c'est celui de Tochukwu. Non, c'était le terrain de votre père avant qu'il ne meure. Ce n'est pas le terrain de Tochukwu, ni le tien. Je l'ai vendu et j'ai utilisé l'argent pour rembourser ceux à qui j'ai emprunté. Tu m'entends? Tonton, nous ne t'avons pas demandé de nous aider à enterrer notre Méo. Nous ne t'avons rien demandé à Guiokwagi. Hein? C'est à moi que tu parles, sans problème. Ce terrain ne vous appartient plus. Est-ce que tu m'entends? Donc, si tu veux, continue à y aller. Et le propriétaire, lorsqu'il te verra, te tuera. Et quand il te tuera, tu mourras. Je vais emprunter de l'argent et je vais t'enterrer. Et vous continuerez toujours à me payer tout cet argent que je vais emprunter pour vous enterrer. M'as-tu bien entendu? N'importe quoi. Tonton, pourquoi es-tu si méchant? Ah, tu oses me répondre? Tonton. Tu oses me répondre? N'importe quoi. Que j'entende encore ta voix. Pas vrai. Allez, frangin, dis-moi, pourquoi es-tu si triste? Hein? Frangin, j'aime pas te voir si triste. Attends, je te serre un verre. Hein? Depuis, je ne fais que te parler. T'es là, tu ne dis rien, t'es comme un générateur. Est-ce que tu veux me dire quel est le problème? Mon oncle a vendu la seule parcelle de terrain qui me restait. Juste parce qu'il a dépensé un peu de son argent. Pendant les obsèques de ma mère. Ah, la pauvreté. Mais il n'y a rien de pire que la pauvreté, mec. Être pauvre est une malédiction. Je ne peux pas accepter que tu sois pauvre. Hein? Donc, sois calme. Et tu verras que les choses vont bien se passer, crois-moi. Allez, bois. Un bon verre ne te fera pas de mal, frangin. Hein? Frangin, à la santé de l'homme riche que tu vas bientôt devenir. Crois-moi, tu vas le devenir. Allô? Écoute, mon amour, je t'en prie, je ne suis vraiment pas d'une humeur à discuter de quoi que ce soit pour l'instant, Biagemma. Je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, mon amour, mais je ne sais plus quoi faire, juste après. Je suis vraiment désolée. Je vais me marier. Quoi? Tu sais, j'ai trop de pression et je ne peux plus m'opposer à mes parents. Hé, hey, frangin. C'est quoi le problème? Okimona kuziche. Pourquoi mes choses sont toujours aussi différentes? Pourquoi? C'est quoi le problème? Ma petite amie, Ken, elle se marie à un autre homme. Elle dit que la pression de ses parents est... La pression est énorme. Il la force à se marier à un autre homme et elle a fini par succomber. Mon frère, c'est le genre de choses auxquelles un homme pauvre fait face. Oui, les gens te traiteront n'importe comment. Je retourne au village. Attends, viens. Allez, dis-moi, tu veux retourner au village? Mais oui. Ah, regarde, écoute.
Tu veux retourner au village avec les poches complètement vides? T'as même pas un franc. Pas le moindre radis et tu veux retourner au village? Écoute, si tu retournes là-bas, tu verras ton oncle cultiver son terrain. Et tu verras un autre homme payer la dot de ta petite amie. Ah. As-tu le choix? Non, parce que la vie ne nous donne pas toujours ce qu'on aimerait avoir. Tu n'y pourras rien, à part te complaire de ta pauvreté et de ta douleur, mec. Frangin, fournis des efforts. Merci. Et retourne au village, comme une rockstar, frangin. Ben alors, comment dois-je fournir plus d'efforts? Ça fait déjà très longtemps que je te le demande. Comment? Bouge-toi, mec. Comment? Ça veut dire quoi? Bat-toi, bouge-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Essaye de faire les efforts nécessaires, mec. Pour dire? Mais pour te dire que tu dois te bouger, mec, allez. Allez, essaye de te bouger, mec, allez. Non, voilà, tellement je go. S'il te plaît, avec tout mon respect, ça suffit, c'est pas vrai. Ne suis-je pas un homme? N'ai-je pas le droit de parler? Non, mon frère, j'en ai plus qu'ici, ça suffit. Yeah! Tu m'as demandé de venir en ville, que tu allais trouver un moyen de m'aider. J'ai fait mes bagages, j'ai laissé tout ce que je faisais là-bas au village, je suis venu ici. Depuis lors, tu ne fais que me raconter des histoires. Je suis fatigué. Aide-moi, mon frère, aide-moi. Tu continues de me donner toutes sortes de proverbes. Je suis fatigué de ça. Aide-moi. Je souffre. Je souffre tellement. Ils ont pris mon terrain. Ils ont pris ma petite amie. Oh, Kinebi, ça te plaît? Où est-ce que j'irai me plaindre? Aide-moi. Ok, bien. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on se lance vraiment. Hein? On va voir comment faire ce qu'il faut. Aide-moi. J'ai compris. Mais je me demande si tu es prêt. Il ne demande pas d'argent. Il demande juste d'avoir ton accord. Tu recommences avec ça. Aide-moi, Maxwell. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas t'aider, mec. Mais il faudrait que tu sois d'accord. Moi, je suis prêt. Si tu doutes, regarde mes yeux, je suis prêt. Ça fait très longtemps que je suis prêt, en fait. Je suis prêt depuis le village. Depuis l'instant où j'ai fait mes bagages pour venir ici, je te l'ai dit, je suis prêt. C'est égo. Peu importe comment on danse ça, Idagbuya, je suis prêt. Je ne veux juste pas qu'après, tu fasses marche arrière. Mokama, il n'y a pas de marche arrière, aide-moi. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas aidé. Dans 20 minutes. Hein? Et je fais quoi entre-temps? Ne t'inquiète pas. Je suis à toi dans quelques minutes. Hein? 20 minutes et je te reviens. Tout à l'heure. Et gagné. Merci. Grand Aboudou. Et l'ennemi du progrès. Grand Aboudou. Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Grand Aboudou. Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tochukwu, fils de Madoka, qu'attends-tu du grand Aboudou? Je veux être riche. Riche et puissant. C'est ce que nous faisons ici. La puissance va de pair avec la richesse. Je veux la richesse. Beaucoup de richesse. Même si c'est seulement pour un mois. Tu seras exaucé. Avance d'un pas. Devant toi se trouve un bol. Choisis ton grain et plante ton grain. Ki ki ki. Tochukwu.
Prends ton grain. Grand Aboudo, ennemi de la pauvreté. Grand Aboudo, celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Grand Aboudo, je suis debout devant toi parce que je refuse d'être pauvre. Donne-moi la richesse, grand Aboudo. Donne-moi la richesse, grand Aboudo. Donne-moi la richesse, grand Aboudo. Hey! Hey! Je suis riche! Grand Aboudo! Grand Aboudo! Grand Aboudo! Plus! 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 Je suis riche! Je suis riche! Je suis riche! Grand Aboudo! Ouais! Plus! 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ogné. Oh, Anne. Ah, oh, grand frère, comment bienvenue. Comment va mon frère? Bien, très bien même. Tu ne sors pas? Mm-mm. Tu sais, les filles de ton âge, dans la nuit comme ça, elles sont toujours dehors. Bah, je ne fais pas les choses comme ça. Je suis en train de me reposer. Ton frère va bien. Hein? Ne t'inquiète pas. Il s'est juste déplacé pour un voyage. Ah, mon frère! Maintenant, il est au mon Cambodge. Mon frère est maintenant à Cambodge. Le Cambodge est plus grand que le Nigeria. Crois-moi, je te le dis. Ah, mon beau pays. Bien plus grand. Hey! Et tu connais la signification du Cambodge? Ça veut dire attraper. Attraper et tenir. Après, c'est à toi de voir si tu veux en faire quelque chose. Ou alors ne rien faire. Mais sinon, le Cambodge est là pour ouvrir les opportunités à tout le monde. Dieu merci, je pensais qu'il m'avait oublié. On ne s'est pas parlé depuis. Bien sûr, ne t'inquiète pas ma chérie, le moment venu, tu auras de ces nouvelles comme tu voudras. Donc, dis-moi, merci. Tu aurais préféré qu'il reste ici sans argent. Mbao, tu crois, Dieu? Je l'ai oublié, il m'a demandé de te remettre ceci. Hein? Hein? Hey! Hein? Tout ça pour moi! Grand frère, merci, oh, merci. Non, 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 hey. Non, écoute, c'est de la part de ton frère. Hey, Ekenere Mia, oh. Bien sûr, je lui dirai. Pendant, il faudrait que je parte maintenant. Et sois tranquille. Garde juste les yeux ouverts. Avec tous ces gars qui rôdent partout dans le village, il y a celui qui viole les filles à la rivière. Et c'est poissonnier parce que beaucoup d'autres poissons pourraient vouloir faire des choses. Tu sais. Merci beaucoup, tu sais, grand frère. Garde les yeux ouverts. Je le ferai. Bon, allez, on se voit plus tard, d'accord? Un bonjour de ma part, mon frère. Ah, mon gars sûr. Je t'assure. Je t'avais dit que ça allait marcher.
Ce n'est pas de ma faute. Actuellement, je suis un homme vraiment très convoité. On essaie bon d'avoir de l'argent. Hein? Tu vois la pauvreté? La pauvreté est une malédiction. Crois-moi, la pauvreté peut faire en sorte qu'un bel homme ressemble à un vilain crapaud, accompagné de l'intimidation, du manque de respect et de toutes sortes de choses tu ne peux même pas imaginer. La pauvreté, c'est le diable en personne. T'as parfaitement raison. C'est pas vrai. T'as parfaitement raison, Odogo. Minawan Ezeidie. Hein? Ezeidie. Tu connais mon nouveau nom? Oui. Aussi Siego du Cambodge. Aïe. Retiens-le. L'argent, l'argent. Aussi Siego du Cambodge. Mouané. Quand je me rappelle de tout ce que j'ai vécu par le passé, tu vois tous ces idiots qui m'insultaient, quand je n'avais pas d'argent à cette époque. Si j'attrape l'un d'eux maintenant... Vas-y, dis-moi. Djawansou. Eh hey mec, vas-y, allez, vas-y doucement, d'accord. Je sais que c'est encore le début, donc s'il te plaît, vas-y. Ah voilà, 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 voilà. Le monde est vraiment très méchant. Une seconde, laisse-moi prendre cet appel. Ouais, allô? Bien sûr, c'est Dojoko à l'appareil. Aussi Siego du Cambodge. Oh. Ça me plaît ce que je vois là. Hein? Ah. Pardon? Ah. C'est quoi le problème? Ma petite amie Nkem. Elle se marie avec quelqu'un d'autre demain. Tu te souviens, tu l'avais bien dit. C'est la station finale. Je t'avais parlé de ça, mais t'as pas voulu me croire. Nai. Dozo. Non. C'est comme je t'avais dit. Tu montes, tu descends, tu vas épouser ma fille. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas l'épouser. Oui. Ni soleil, ni pluie ne t'empêcheront de l'épouser. C'est exact. Comme on le dit souvent. Akufecha. Otarawa. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, oui. Tiens-toi prêt. Hein? Oblikudeko, opata. Bien, non, non, wana. Même l'argent, aucun argent ne l'empêchera de t'épouser. Rien. Mes salutations. Rien. Non. Il n'y aura plus du tout d'obstacles sur ton chemin. Non. La voie est libre. Alors, papa, je pense que nous pouvons commencer avec la cérémonie pour que nous partions tôt. Tu sais que la route est très longue. Tu n'as aucun problème. As-tu... Non. Invitez d'autres personnes. Mon beau-fils. Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est vous? Non, moi. Qui c'est pour bien-être? Non. Tu sais qui c'est? Un manano. Nai, qui ça peut bien-être? Papa, pardon, ne touche pas. Hey. Non, ne touche pas. C'est notre monnaie. Écoute-moi et tu vois. Arrête. Ne touche pas cet argent. Tu sais que ça sort d'où. Tu te précipites d'aller ramasser.
Tu vas les ramasser, tu sais que ça sort d'eau. Faut réfléchir avant d'agir. Ah. Tati. 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 Ça c'est mon beau-fils. Odogo na dogo. Eh, odogo na dogo. Na dogo. Eh, odogo na dogo. Eh, odogo na dogo. Eh, kemini wa kwa. Hey, hey. Libérez le territoire. Hey, hey. Donne-lui le passage. Hey, 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 hey. Odogo na dogo. Hey, hey. You. S'il te plaît, monsieur. Okay. S'il te plaît, ramasse tes choses calmement et pars. Le vrai propriétaire est venu prendre ce qui lui appartient. Bam! Bawan! Nya, Eka Djanoa, le mari de ma fille est là. Et Tsuku Nyaku, il est là. Mais je m'adresse à vous, vous vous êtes là, me regardez. S'il vous plaît, levez-vous et partez. Levez-vous et partez. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, Libre-le-t-il ça? Toi. D'une part, au sondou. Et dans des côtes, on a une guerre. Yes. Oui. S'il vous plaît, portez toutes ces bêtises. Partez avec. N'est-ce pas, mes maris? Pourquoi perds-tu? Pourquoi perds-tu ton temps à leur expliquer tout ça? Mbabano. Mbabano. Je suis OK. Porte des choses et pas. J'ai dit que l'homme qui a tout est là. Et toi, tu continues à parler. S'il te plaît, prends tes choses et pas. Et portez ça, s'il vous plaît. Oui, Anova. Et sors de ma voiture. Viens, Nababo. Ramassez tout, s'il vous plaît, ne laissez rien. Donne-lui. Je dis ne laissez rien. Pourquoi devrait-on lui donner? Donne-lui plus d'argent. Donne-lui encore plus d'argent. Allez, mes maçons. Allez, mes maçons. Portez tout, s'il vous plaît. A quoi que ba? Naï, wanda waba. Bona waba. Naï, kwa wana wa. Kalizia. Nye, momo, gono, momo, gono. Et tu bois. Ah, Osondo, prends tes choses et pars, non? Enlevez-moi toutes ces choses. Enlevez-moi toutes ces choses ici. Attendez un peu que je nettoie cette saleté qu'ils ont laissée. Tadjebo, Nawala, Djouba, prenez place. Djouwawo. Djouwawo, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle lui donne ça? Lego, non? Irene Oguna Kalibi. Levongo. Noko mado. Poko bo. Ha ba ba ba. Agune. Nu wa wana. Ni wa wana. Kombo. Okoto nu mo no. Aneo. Abo eneo. Mon oncle? Hey! Ouais! Don Tchoukou! Mon oncle, tu me manquais! Alors, dis-moi comment tu vas? Bien, vas-y, merci à Dieu! Don Tchoukou! Hein?
Ah, tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi, mon oncle. Alors, comment est-ce que tu vas? Attends. Hein? Toutes ces voitures sont à toi. Ah ouais. Les deux à l'arrière. Oui. Et celle-ci appartient à quelqu'un de très spécial. D'accord. Mais je ne te le dirai pas pour le moment. Ce sont tes employés. Moi, du Cambodge. Ouais. Voilà mes gars. Et puis les filles. Oui. Moi, du Cambodge. Hey. Moi, du Cambodge. Tu coup. Je suis très content. Mon c'est vraiment toi. Hey. J'ai quelque chose pour toi. Yeah. Ouais. Quelque chose. Bien. Mon oncle, quand nous n'avions rien, tu étais là pour nous. Hein? Tu as pris soin de ma sœur et de moi du mieux que tu pouvais. Tu t'es levé pour nous et tu nous as protégés. Tu nous as pris comme tes propres enfants. Et nous te voyons comme le père que nous n'avions pas eu. À présent, c'est à mon tour de te rembourser. Hey. Et je continuerai de te rembourser jusqu'à la fin de mes jours. Hey. 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 Ça, c'est pour toi. Pour moi? Pour moi? Pour moi? Hey! Voisin! Hey! Mon nom, je l'ai doucement, dit. Doucement. Je l'ai dit. Doucement. Tochuku. Hein? Oui, je l'ai dit. Que tu réussirais. Oui, je l'ai dit. Mon nom, calme-toi. Je t'ai dit tout à l'heure que cette voiture appartenait à quelqu'un de très spécial. Oui, hein? Tu l'as dit. Cette personne, c'est toi. Hey! C'est ta nouvelle voiture. Toi? Je l'ai dit. Je leur avais dit. Je l'avais dit. Que un jour, tu deviendras président. Que tu seras roi. Hey! Voisin! Voisin! Allez, venez vous réjouir avec moi! Toi, tu quoi de retour? Toi? Appelle-le Onsisier Go du Cambodge. Appelle-le Onsisier Go du Cambodge. Hey! Oko Sisi. Oko Sisi. Du Cambodge. Réveille-le, réveille-le avec plus d'argent. Réveille-le. Allez, vas-y, réveille-le. Onsisier Go du Cambodge. Un. En dernier bois. Je l'avais dit. Hey, Tochuku! Appelle-le Onsisier Go du Cambodge. Un. Oh, Onsisier Go! Du Cambodge. Du Cambodge. Un. Hey! L'argent. 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 Appelle-le Onsisier Go du Cambodge. Un. Oh, Onsisier Go du Cambodge. Onsu. Le seul. Oh, et l'unique. Bois. Je commence par quoi? L'argent ne fait que tomber. Une voiture. Moi. Ça, c'est pour toi, mon oncle. Tochuku. Appelle-le Onsisier Go du Cambodge. Un. Comment tu vas? Je vais bien. Allez. Je vais bien. Grand frère, Thibaut. Les choses ont changé. Regarde-toi. Les choses ont changé. À
as-tu vu mon frère? Tu ne rêves pas, c'est ton frère en personne. Bah, je suis en train de rêver, je suis en train de rêver. Non, tu n'es pas en train de rêver. Tu ne rêves pas, Dieu m'a béni. C'est du Cambodge. Goûtez, watcha. Mon frère Mokudi Marodiomo. Timo. Ce n'est que Dieu. Mon frère, hein? Sont-ils avec toi? Ouais. Ceux que tu vois là, ce sont mes gars. Et celle-ci, Oumoumane du Cambodge. Oumoumane Cambodge. Du Cambodge. Salut! Mikambo! Hey! Salut! Hey! Emiati Pramio. Jenemio. Hein? Elles ont quelque chose pour toi. Va les voir. Elles vont te donner quelque chose, vas-y. Hey! Mon frère! Oh, Guigo! Hey! Grand famille de Geba! Jésio! Ewo! Chimo! Je fais mes vannes nuits! Odika Jife! Odika Jife! Ademi Kubo Kubo! Hey! 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 Hey, mon Ezoukwa, Ezoukwa, Tata Kambo, merci. Merci, oh. Anna, tu mon frère. Jamais. Go, Kwego. Hey! Hey, Timo. Ngem. Ma puce, Ngem. Tu m'as fait grâce. Grand frère, nous alliés, Gwonou. Hey! Maman est où maintenant? Pour voir tout ceci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, maman. Calme-toi, oh. Tu seul sais. Hein? Maman, c'est bon, c'est bon. C'est bon, hey. C'est bon. Dieu seul sait. Hey, oh. Hey, hey, Ikwego, grand frère. Appelle-le Onsisiego du Cambodge. Osinogini. Appelle-le Onsisiego du Cambodge. Unowanemgoki. Hey, Onsisie na Cambodia. Hey, Timo, ne kwebede. Oh, c'est Siego, na Cambodia. Numéro un. Hey, Timo, c'est Timo, bon, Timo. Bon, hey, mon frère. Bon, oh. C'est bon. Hey, hey, c'est hey, tu n'es que na hey, tu kogene dirigi. Hey, le Dieu des pauvres, ekere dirigi, Masai Koputa. Tu nous as délivrés de la pauvreté. Hey, Nai, tu en profites. Oui. Ce que je voulais dire, Nai, demain tu m'accompagneras à la réunion, tu me déposeras à l'église et tu reviendras me chercher. Agatha, je ne suis pas un chauffeur. Alors comment vais-je apprendre à conduire pour que je puisse aussi profiter de la voiture? Quelle voiture? Nadozemado. James. Nadozemado. Nakromadozemado. James, oh, James. Comment ça? Mon beau frère. Ah, bienvenue. Tu vas bien? Tu es... Une chaise. Rapidement, rapidement. Que se passe-t-il? Rapidement. Ah, oui. Assieds-toi. Apporte un verre. Apporte. Je vais bien. Ton frère est content. Je le vois. Je peux voir comment tu es content. Merci. S'il te plaît. Serre-toi. Serre-toi. C'est d'accord. Bois, réjouis-toi avec moi. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Ton frère est désormais un véhiculé. Ton frère est désormais un propriétaire de voiture. Je croyais que tu avais de la visite. Étranger? Non. Notre neveu, Tochoku, est maintenant un homme riche. C'est maintenant un homme riche. Un homme riche! Il a acheté ça pour moi. Attends. Et n'est-il pas venu chez toi? Ouais, il est venu. Maintenant, je vois. Je comprends. Oui! Mais... Je suis vraiment confus. Le fait que Tochuko soit si riche, il est peut-être dans la drogue, dans une mauvaise pratique, on ne sait jamais. Tu ne trouves pas? Tu recommences encore? C'est comme ça que tu es. Quand vas-tu arrêter ça? Notre neveu a réussi. Tu dois le féliciter. Tu dois être content. Hein? Je ne le félicite pas. Je ne le félicite pas du tout.
Il m'a acheté une voiture et je suis content. Il m'a acheté une voiture et je suis content. Ouais, profite de ta voiture. Profite de ta voiture. Et aussi, profite de la cellule. Quand la police viendra, profite de la cellule. Naï. Tu as toujours été comme ça. Maintenant que notre neveu a de l'argent, au lieu d'aller simplement auprès de lui et de chercher à t'excuser pour qu'il t'achète une voiture, même si c'est une petite voiture, qu'est-ce qu'il va pas parler de police? T'occupe pas de lui. Quelle police? Oublie le même. Profitons juste. C'est quoi ça? Mais le vin, bien sûr. Quel vin? Mais celui-ci. Naï. Akono. Amanika. Dis-moi, lequel de ces deux pains, lequel préfères-tu? Hein? Tu lis quoi? Ajay, tu as vu ça? Olo. Et des gars, mojo. Oh, mojo. Nanoto, ono. Oji, j'ai qu'à m'en aller. Oh. Hey. Oh. Madame Madu. Oh. Moi, du moins, nota. Ça, c'est la fin de sa vie. Non. Sois la bienvenue. Non. Merci, papa. Où est mon beau-fils? Il va bien. Il va bien. Sors ses valises. Il a demandé que je salue maman et toi. Ah. Oh, oh. Où puis-je la mettre? Ouais, là. Besoin d'autre chose, madame? Non, ça ira, merci infiniment. Dès que je suis sur le point de partir, je vous appellerai. Prenez votre temps. Merci infiniment, madame. Ouais, je vous en prie. Nguano, bye bye. Bye, bye bye, maman. Hi! Ici, c'est ma fille. C'est moi qui t'ai mise au monde. Hey, ma fille. Hi, ma fille chérie. Inessie, dormo. Hi! Hi! Oh, tu cours. Ouais, maman. Beau fils chéri. Comme je te l'ai déjà dit, maman, il va bien. Et il m'a donné des choses à vous remettre, papa et toi. Alors, j'espère que tu es déjà enceinte de lui. Enceinte? Que dit notre futur beau-fils? Avant le mariage? Ah. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il est déjà notre beau-fils. Comment est-ce que tu racontes ce genre de choses? Comment ça, papa, c'est déjà votre beau-fils? Oh, il est déjà votre beau-fils? Oh, Jinjo. Je suis à l'intérieur. À l'intérieur? Tchabou. J'espère que tu es au courant qu'on va insister, oui, n'est-ce pas? Il faut parler à ta fille. Donc jusqu'ici, elle n'est pas encore enceinte. Naï. Elle n'a juste qu'une seule semaine là-bas. Elle devrait déjà être enceinte. Qu'est-ce qu'elle attend pour tomber enceinte? Naï. Ah. Nougenou. Niao, Bobo. Tu veux le perdre? Les filles de la ville sont enchantées. Et les hommes riches comme lui sont rares. Tu ferais mieux de le tenir et de l'arrêter fort. Anane connaît même. Naï Choro, peux-tu me dire quel est ton problème? Asochi Jigambo. Hey. Hey, oh. Hey. La fille de ses parents. Ma fille. Hey. Tu es magnifique. Merci beaucoup, papa. Il m'a demandé d'aller donner quelque chose à son oncle. Donc, je ne vais pas traîner, ok? Ok, ma fille. D'accord. Chibouana. S'il te plaît, ne sois pas long, parce que tu as une discussion avec ta mère. C'est urgent, je peux rester? Peu importe ce que nous devons dire, ça peut attendre, tu peux partir. C'est vrai ça? Vas-y. Ah, wow. C'est bon. Ok, j'arrive. Eh.
Toi, là, tu es terrible. Toi aussi. Moi. Oui. Tu parles comme si tu n'allais pas en profiter. Plus que moi. Naï, non, j'ai dit quand non. Tu iras au Cambodge, est-ce moi qui irai à ta place? Ah. Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Pour être honnête, Maxwell, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire? Eh bien, marie-toi. Parce que les règles n'interdisent pas de se marier. Je sais, mais je ne veux surtout pas qu'elle reste veuve. Allez, essaye d'y réfléchir. J'ai tout cet argent, tu sais, depuis un an et demi, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'il me reste plus un an et demi à vivre. Dis-moi que faire. Mon frère, je te comprends très bien et j'aimerais te demander. Tu n'aimerais pas avoir tes propres enfants? Mais Max, pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Est-ce que toi, tu n'aimerais pas avoir des enfants? J'aimerais avoir des enfants, mais essaie d'y penser. Si je me marie avec elle maintenant, elle me donnera probablement des enfants. Un, ou alors deux enfants. Et puis c'est quoi la suite? Après un an et demi, je mourrai. Mon enfant ou mes enfants deviendront orphelins pour le restant de leur jour. Allez. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Bien sûr que ça n'a pas de sens ce que tu es en train de raconter là. Parce que tu devrais savoir que lorsque tu es parti, le nom de ton père a été effacé de la surface de la terre. Bien sûr, alors pense-y. Je le sais. Tu le sais? Écoute, sache que tu es égoïste. Ah ouais, tu l'es. Si ton père avait été égoïste comme tu l'es actuellement, sache que tu ne serais pas venu au monde. Mon frère, vas-y, fais ce que tu as à faire. D'accord? Est-ce que tu as compris? Vas-y, fais ce que tu as à faire. Je sais que tu peux bien le faire. Hein? Et je te fais parfaitement confiance. Tu sais, ça fait déjà un an que je te pose cette question. Tu ne m'as jamais répondu. J'ai ma propre croix, qui est celle de mourir après 3 ans. Quelle est la tienne? Voisin, mais dépêche-toi. Bon après-midi, monsieur. C'est le nouveau propriétaire. Dojuku, s'il vous plaît, vous ne nous avez pas dit où vous allez nous reloger. Vous savez, pour avoir une place comme celle-ci, ça sera très difficile. Oui, oui. Eh bien, ma décision est déjà prise. J'ai regardé tout autour du village, les enfants vadrouillent dans tout le village. Il n'y a pas d'endroit approprié pour leur développement. Alors je veux démolir cet endroit et utiliser cet endroit comme centre d'accueil. Non, ne vous en faites pas, d'accord? Soyez tranquille, adressez-vous à mon avocat. Il vous trouvera un nouveau logement, juste vous. Merci beaucoup, monsieur. Money, 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 money
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, mon fils. Merci, monsieur. Oui, où sont-elles? Comme tu peux le voir, les voitures sont garées pour le moment. Je les ai toutes laissées en ville. Non, chef. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. C'est bon. J'ai une urgence là. Il faut vraiment que je parte. Ne te gêne pas pour moi. Où est-ce qu'elle est, mon amour? Tu veux dire ta femme? Ouais. Elle est à l'orage. Oh. Ok. Mon fils, quand comptes-tu venir la chercher et l'amener chez toi? Chef, j'ai ça en tête. Hein? Ouais. C'est juste que ça met beaucoup de temps. Non. Écoute, tu peux oublier la dot. Viens juste faire les cérémonies de mariage et va avec elle. Guyana. Chef, non, ne t'en fais pas. J'ai un plan. Ouais, tu vois, j'ai ce très gros projet en attente. Pour le moment, je construis ma maison. Dès que je finis, la prochaine que je construis, c'est la tienne. Regarde ta maison, Nodo et Omai. Donc, mon plan est de la détruire et de construire une magnifique résidence ici même. Écoute, plusieurs de mes amis viendront des autres pays et ils ne doivent surtout pas trouver ce genre de maison. Ogiromo. Mais ça prendra beaucoup de temps. Mais non, ne t'inquiète pas, ça ne mettra pas long. Hein? Tu devrais déjà mieux me connaître depuis le temps, tu as oublié. Ne t'en fais pas, mes filles vont te le rappeler. Appelle Osisiego 1 du Cambodge. Osisiego 1er du Cambodge. Lugamano, Osisiego 1er du Cambodge. Alors, chef, ne t'inquiète pas, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, ce ne sera pas long. Hein? Dès que je finis avec ma maison, je construis celle-ci. Quand j'en aurai terminé, fais-moi confiance, tu seras fier de moi. Je suis fier de toi. C'est juste que je peux... Et c'est bon, ne t'en fais pas, je gère. Ne t'en fais pas, tu es déjà mon beau-père. Hein? Bien sûr, mon beau-fils. Osisiego premier du Cambodge. Alors, je vais devoir partir. Mais avant que je ne parte... Ok. Chef, ça, c'est pour toi. Hey. Ouais. Tu m'en donnes encore? Pas pour toi et pour ta famille, ça c'est juste pour toi, hein? Et ça, c'est pour ta femme. Hein? Osisiego, premier du Cambodge. Ni wongo. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Concernant le mariage, j'ai ça en tête, hein? Tout va se faire. Merci. Ne t'en fais pas, si tu as un problème, tu m'appelles. Okay? Merci, mon beau-fils. Osisiego du Cambodge. Mes frères, l'argent est tout haut. Oh, Izumana Kamala. Je suis en colère, très très en colère. Non mais quelle est cette humiliation? Dis-moi, tu es venu pour supplier ou pour te plaindre? Je ne peux pas supplier, je suis en colère. C'est quoi cette insulte? C'est quoi cette connerie? Transformer mon magasin en centre d'accueil, pourquoi? Je te demande, pourquoi? Quoi? Hein? Regardez-le. Mais non, regardez-le. Le propriétaire du terrain veut construire un centre d'accueil sur son propre terrain. À quoi ça te dérange? C'est ton terrain? N'importe quoi! Hein? C'est une insulte à ma personne! Une insulte à ma personnalité! Pourquoi ne devrais-je pas parler? Une insulte à ta personne? Comment? Écoute, je ne l'accepterai pas!
Je ne l'accepterai pas, ni de lui, ni de personne d'autre. Jamais, jamais de la vie. Tu sais quoi? Hey, je ne me fais pas le moindre souci, parce que la personne en question, premièrement, est plus riche que toi. Hein? Deuxièmement, est plus populaire que toi. Troisièmement, il connaît plus de personnes que toi. Il pourrait même vous acheter ta maison et toi. Oui! Attends, tu te moques de moi? Mais tu te moques de moi, je te pose la question. James, tu te moques de moi? Pas du tout. Voilà, hey. Tu te fais juste frapper hey. Par le karma. Hein? On ne récolte que ce que l'on sème. Kai! Oh. Hey. Je te l'ai dit, il est là. Maintenant, James, regarde-moi. Tu peux maintenant le battre. Il est là. Frappe-le. Hein? Frappe-le. Il est là. Ah, vas-y, continue de crier. Regardez-le. Le Cambodgien est là. Parle. Il y a de cela 2 minutes, tu criais. Et là, il suffit qu'il arrive pour que tu te taises. Tu es là, hey, mon oncle? Aussi c'est hein? Du Cambodge. Monsieur Ndosi. Rien que moi. Rien que moi. Mon oncle. Dodo. Grand homme. Oui. Grand homme. Grand Parle homme. Encore. Ouvre ta bouche pour raconter tout ce que tu racontais. N'importe quoi. Parle encore. Tu as la bouche pour parler. Quoi. Parle. Bienvenue, mon fils. Merci infiniment, merci. Oui. Je suis venu te dire que je veux prendre un nouveau titre honorifique. Yeah. Ouais. Beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent, crois-moi. Je ne sais même plus quoi faire de tout cet argent, mon oncle. Je suis content pour toi. Merci. Je suis content. Et aussi, je veux que tu prennes un titre honorifique. Ouais. Moi. Choisis, peu importe lequel, je l'achèterai. Hé, hey, James. Appelle ma chief, maintenant. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, mon oncle. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Oui. Je continuerai de te rembourser pour tout ce que tu as fait pour hey. Ma sœur et moi. Jusqu'à ce que je meure. Tochoko. Je te le promets. Hein? Je te non, le promets. Non, tu ne mourras Alors, pas. Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. J'ai dit que je m'occupe de ton titre honorifique. Regarde, mon oncle, tout ça, c'est pour toi. Regarde hey. Ça. Tu vois ça? Aussi, c'est, ça, c'est pour te remercier du Cambodge. S'il vous plaît. Do, mon fils, je t'en prie, je voudrais te demander une faveur. S'il te plaît, il s'agit de ma boutique. Tu m'as dit que tu voulais transformer ma boutique en un centre d'accueil. Je t'en prie, ne le fais pas. C'est tout ce qui me reste pour l'instant. Et c'est la seule richesse qui me reste. Je t'en prie. D'accord. Mmh. T'as fini? Hein? T'as quelque chose d'autre à ajouter? Aussi, c'est go. Donc, s'il te plaît, laisse-moi te montrer quelque chose. S'il te plaît, dis-moi. Tu ne m'as même pas dit comment tu comptes t'y prendre avec cette affaire. Je calme, mon oncle. Je l'ai en tête, ok? Hey! Mon là, encore. Oui, et mon tu fils. Tu n'as pas du tout à t'en faire pour ça, ok? Hey, hey! James, écoute, on se voit à mon retour. À cause de tes bonnes actions et de l'intérêt que tu portes pour cette communauté dans ton cœur, je viens t'annoncer que le titre honorifique que tu demandes te sera accordé. Merci, ouais. Igwe. Ouais. Igwe. Igwe, tu ne peux faire ça. Tu ne peux pas donner ce titre à cet homme. C'est le mien. C'est moi qui te le dis. J'ai construit un forage pour cette communauté. Tu n'as qu'effectué un seul forage avec un matériel très défectueux qui a fini par se déverser dans tout le village. Et c'est endommagé. Mais ça nous a servi. Voilà. Oui. Ah, arrête ça. Tochoko a construit 10 forages. Un seul pour chaque famille. Oui. Un seul pour chaque famille. Et tu veux le comparer? Mais celui que j'ai construit au moins... T'as servi, on est d'accord? Moi? J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Igwe, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas donner ce titre à cet homme. Bien, ancien. Lorsque nous avons un problème dans cette communauté, nous avons toujours demandé de l'aide. Et c'est seulement Dojuku qui nous a toujours donné une réponse positive. Ça, oui, c'est vrai. Igwe, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, chers membres du conseil, le titre est fait uniquement pour ceux qui ont un intérêt majeur pour cette communauté dans leur cœur. De l'aide, de l'aide, de l'aide. Ouais. Igwe,
As-tu oublié? On a fait du chemin ensemble. J'ai fait des choses pour cette communauté. Si tu veux que je commence à les citer, j'ai fait des choses pour cette communauté. Parmi lesquelles, cette bâtisse en fait partie. Mais je ne veux pas commencer à les citer. Igwe, s'il te plaît, ne donne pas ce titre à cet homme. D'accord, je pense que c'est à mon tour de parler. Igwe, tu me permets de parler? Tu as ton consentement. comme vous le savez, je ne parle pas beaucoup. Oui. Je suis un homme très occupé. Un homme pour qui le bien-être de tous passe avant tout. J'ai quelques mots à dire. Toute personne qui construit avec du matériel défectué pour ses semblables ne verra pas le royaume des cieux. Oui. Et tout homme qui donne à ses semblables avec la main gauche et qui reprend avec sa main droite ne verra pas le royaume des cieux. Et tout homme qui essaye de prendre la femme d'un autre homme, tout ça à cause de l'argent, ne verra pas le royaume des cieux. Ici! Ah, aussi. Et tout homme dont les semblables ne connaissent pas la provenance de sa richesse ne verra pas le royaume de Dieu. Ici. Ah oui. Ok, bien. Oui. J'ai entendu tout ce que vous aviez à dire. Hein? C'est bon. Oui. Tu peux leur partager l'argent. 100 000 naira pour chacun. À chacun. 100 000 naira de plus pour le roi. Aïe, aïe. Je viens vers toi. Je sais. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, donne quelque chose à ces trois-là. Oui, s'il te plaît. Tends-toi, allons-y. Tiens, ça c'est pour toi. Allez, dégage. N'importe quoi. Ok, pas de problème. Ça revient à Igwe. Igwe, apparemment ton agent a augmenté. Hein? D'accord. Mais s'il te plaît, prends ça. Oui. Alors, tu veux dire que tout cet argent est pour moi? Oui. Dom, dom. Nous sommes si fiers de toi. Merci, merci. Oh, Abba Mogra. Ah, je vais lui retirer son titre et le donner à Tochuku. Ensemble, on trouvera une solution. Dans le but de lui donner un autre titre que celui-ci. Voilà, moi, ça me va. Hé, hey, Omiyoku qui détenait les clés du paradis. Le docteur a dit qu'il a eu la moelle épinière endommagée au cours de l'accident. Et qu'il ne marchera plus jamais. Jéhovah. Eh bien, je connais un très bon hôpital en Allemagne. Ouais, ils sont très bons. Je pense qu'ils peuvent très bien gérer son cas. Ses chances de remarcher sont, je dirais, à 90%. C'est vrai que ça coûtera beaucoup d'argent. Nous n'avons plus rien. Nous avons tout perdu, y compris l'usine. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas payer la scolarité des enfants. Ils sont à la maison. Même pour les nourrir, c'est difficile. Où allons-nous trouver une telle somme? Nous n'avons plus rien, monsieur, honnêtement. Eh bien, Omiyukuko, c'est vrai, aucune situation n'est éternelle. En effet. Hier, c'était une affaire de pieds sans chaussures. Aujourd'hui, chaussures. Pas de pieds. Mais pas de pieds. Ce n'est pas grave. Je contacterai l'hôpital en Allemagne. Je me renseignerai sur combien ça coûte pour l'envoyer en Allemagne et pour le traiter. Hey. Et je m'occuperai de tous les frais. Oh, du fond du cœur, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, c'est que bon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci, monsieur. C'est bon. Merci infiniment. Merci, Tochuku. C'est très bien ce que tu ça fais. Ça va aller. On ne rend pas le mal
par le mal. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. D'accord, il faut vraiment que je parte là. Hmm? Au mieux, Coco. J'ai la conviction que tu remarcheras. Oui. Mon oncle, donne-leur un peu d'argent. D'accord. Hey! Oh! Hey! Hey! Regarde. Ma chère sœur. Grand frère. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai montré toutes mes propriétés aujourd'hui? Non. Je vais y voyager. On dirait que tu vas durer. Ouais. Je vais m'être long. Très long même. J'ai vécu pendant un moment au Cambodge, alors il faudrait vraiment que j'y retourne. Je dois gagner de l'argent. Ok. Grand frère, il paraît que Cambodia, c'est un très beau pays. Pas vraiment. C'est juste qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. Dans ce cas, j'aimerais y aller un de ces jours. Je vais te dire une chose, ma chère sœur. Ne souhaite jamais être à la place de quelqu'un d'autre. Boss, vous m'avez demandé. Tiens. Merci. Tiens, va dans la rue et partage tout cet argent à tous les nécessiteux et aux orphelins. Hein? D'accord, boss. Grand frère, pourquoi fais-tu toujours ça? Eh bien, j'ai été pauvre. J'ai miséré. Je sais ce qu'ils ressentent. L'argent que je leur donne chaque semaine pourrait nourrir un bon nombre de personnes. Pourrait les mettre à l'abri du besoin. C'est une bonne chose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Tu nourris les enfants des autres. Tu nourris d'autres familles. Mais tu n'as pas encore construit ta part de famille. Je ne comprends pas. Ma chère petite sœur. Tu ne peux absolument pas comprendre. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Non, vraiment, je ne comprends pas parce que tu as tout ce dont un homme a besoin pour construire sa part de famille. Tu as une femme qui t'aime énormément et tu l'aimes également. Alors, qu'est-ce qui te retient, grand frère? Qu'attends-tu? Je vais y réfléchir. Ne fais pas cette tête, allez, je te promets que je vais y réfléchir. Pendant qu'on y est, tu prends ceci et tu vas faire un peu de shopping, d'accord? C'est pour toi. Merci beaucoup. Mais grand frère, ce qui me rendrait plus heureux, c'est que tu te maries et que tu fondes une famille, hein? Grand frère, tu dois réfléchir à comment fonder ta part de famille. Je veux voir les enfants courir dans cette maison. Tu sais, c'est juste toi et moi. Je te promets de prendre le temps d'y réfléchir. Merci pour l'argent.
Confrère, je monte dans ma chambre. Veux-tu que je fasse de la nourriture pour toi? Non, merci, c'est bon. Tu peux aller faire du shopping et t'acheter absolument tout ce que tu veux. Achète de jolies choses. J'ai besoin d'un neveu dans cette maison. Ah. Oko, c'est ciego. Je te mentirais si je t'ai dit que tout ceci ne m'inquiète pas. Ou alors, il veut nous traiter de la même manière comme nous l'avons fait dans le passé. Il n'arrête pas de trouver des bidons excuses. Ça fait déjà 3 ans, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quand il n'aura plus d'argent qu'il viendra la chercher? Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne cherches pas à voir ce qui est le plus important. Tu ne vois rien l'autre côté. Lorsqu'elle va vieillir, elle ne sera plus attirante. Ah. Qu'allons-nous devenir? Merci de me rappeler. Les femmes sont comme des tomates fraîches. Hey. Elles deviennent moins chères quand elles pourrissent comme Dieu. Ah, voilà. C'est à ce moment que les hommes pauvres viennent vers elles. Et c'est ce que je n'aimerais pas qu'il arrive à notre fille. Parle à ta fille. Donne-lui assez de raisons pour se mettre sur ses gardes. Les filles de la ville ne blaguent pas. Le plus tôt serait le mieux. J'ai montré à ma sœur tout ce que je possède. J'aimerais aussi rédiger mon testament. Eh bien, c'est une bonne chose. Ouais. Au moins, la mort ne pourra pas tout me prendre. Je serai toujours ton ami, même après la mort. Bien sûr. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. S'il te plaît. Prends très bien soin de ma sœur et de Kem. Ne laisse surtout pas mon avocat les duper. Tu sais que t'es un homme très têtu. Si tu m'avais écouté... En ce moment, tu aurais déjà 2 enfants qui te rendraient heureux. Et si tu te mariais comme je te l'avais dit? Je sais que tu ne connais même pas ma propre croix. Je te l'ai pourtant demandé. Tu m'as juste dit que tu avais la tienne, mais tu n'as jamais rien spécifié. Ouais. Si seulement je pouvais me marier... Oui, mais je ne peux pas. Je ne peux même pas y penser, même dans le meilleur de mes rêves. Je ne peux pas y penser, même dans le plus beau de mes rêves. Impossible. Tu sais, dans... C'est fou ça, mon frère, mais tu peux me croire que je n'ai pas du tout le choix. Je suis obligé de me... d'immerder ainsi dans cette vie. Bon, oui. Je me dis que quelque part, tu pourrais peut-être trouver le moyen de le faire. Wow. T'en es sûr? Non. Donc, tu ne peux même pas essayer un truc comme ça? Tu sais, c'est pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, mon frère. Mm-hmm. Eh bien, c'est terrible. Mais tout ce à quoi je pense, c'est que la tienne est passable. Au moins, toi, tu resteras en vie pour le moment. Avant de mourir. Tu sais, c'est la vie. Je n'en reviens toujours pas. L'origine de toute richesse. Bref. J'envisage de... les funérailles de ma mère. Tu sais, quand elle est morte, je ne pouvais pas lui offrir un enterrement digne de ce nom parce que... j'étais vraiment fauché à cette époque. C'est une bonne chose, tu sais. C'est vraiment une bonne chose. Ouais. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. Ouais. Dépensons un peu d'argent. C'est une bonne chose, tu sais. C'est une bonne chose, tu sais. Avoir de l'argent, c'est une bonne chose. C'est exact. Des billets volants. Des billets volants, mec. À la santé de tout le monde. À la santé de ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont de grandes maisons. À la santé de tout le monde. Thank you.
Karimeko peke. Mes félicitations. Mettez-le-nous en l'air. Tout le monde. On y va. Marchez sur l'argent. Hey, marchez sur l'argent. Les mains en l'air, tout le monde. Oh le corps de Dieu, hey. Thank you.
L'argent va te rendre fou. L'argent va te rendre fou. Et plus encore. On est faire foutre. C'est beau, l'argent. Ego palabra. Hey! Ego! Hey! Hey! Ego palabra. Ego palabra. Ego palabra. Ego Pepe. Ego Pepe. Né, tu te reposes vraiment sur tes lauriers. Fais gaffe à toi. Hein? Je ne te comprends pas. Que fais-tu là? Tu es assise calmement, pensant que les choses viendront te trouver juste comme ça. Fais quelque chose. Même s'il faille que tu tombes enceinte de lui. Hein? Ainsi, tu pourras bien le tenir. Tu me regardes, mais je te dis juste la vérité. Hein? Donc, tu dois faire quelque chose. Là dehors, les filles ne blaguent pas avec ce genre de gars. Elles vont te l'arracher. Reste là à dormir. Mais tomber enceinte d'un homme n'est pas la meilleure façon de le retenir. Oh, vraiment? Ouais. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Écoute, tu dois faire quelque chose. Si tu ne sais pas quoi faire, dis-moi, je t'apprendrai. Oui, écoute. Laisse-moi te dire, tu es. Manto viendra très bientôt m'épouser. Je suis sûre de ça. Vous savez pas par quoi je suis passée dans ce village. Regardez cette fille. Tu rêves, oh. Tu rêves. Tu es juste. Tu es même pire que Joseph le rêveur. Regarde-toi, il viendra t'épouser. C'est ça, assieds-toi, il arrive. Tu le vois, il vient t'épouser. Il viendra t'épouser. Aïe, Seigneur. Écoute, de toutes les façons, fais-le-moi savoir quand tu seras fatigué. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Pourquoi est-ce que Toshi ne veut plus m'épouser? Il était très enthousiaste à ce sujet quand il n'avait rien. Ou alors, il n'est plus du tout intéressé par moi? Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime plus? Ou alors voit-il quelqu'un d'autre en ville? Mes parents ont raison. Je dois le piéger avec une grossesse. Il doit seulement m'épouser, il doit le faire. Après tout ce que j'ai subi dans ce village, il doit seulement m'épouser. Je dois aller lui rendre visite en ville. Ouais, j'irai en ville. J'irai pour le voir. Je tomberai enceinte de lui, il va m'épouser. Tu m'as vraiment manqué. Sérieux? Mais t'es... T'es vraiment magnifique. C'est l'argent de mon frère. T'es brillante. Comment tu vas? Je vais bien, ma puce. Assieds-toi. Je suis épuisée. Ndo. Quel voyage. Ndo. Et les gens du village?
Bien. Comment vont tes parents, Ogon Andosier et Zebou Madi? Ne parle pas de tonton Andosier, il est devenu la star du village. Es-tu sérieuse? Et pour ce qui est de mes parents, ils vont bien sauf qu'ils marchent comme ça. Qu'est-ce que tu espères? Pardon, laisse cet homme se réjouir. Ouais, bien sûr. Je ferme ma bouche. Tu m'as beaucoup manqué, mais mon frère ne peut pas me laisser venir. Mon frère ne veut plus que j'aille au village. Et qu'est-ce que tu veux aller chercher au village? Tu ne te plais pas ici? Mais ou quoi, alors tu veux retourner dans la pauvreté? S'il te plaît, parlons de ton frère, mon amour. Où est-ce qu'il est? Uriaku, ton amour est sorti. Il va rentrer bientôt. Hey, Kemo, viens que je t'embrasse. Tu m'as c'est vraiment réciproque. Manqué. S'il te plaît, y a-t-il quelque chose à manger? J'ai vraiment faim. Ne t'en fais pas, ok? Va avec ceci. J'arrive. Ne t'en fais pas, je vais te servir. À partir de demain, tu dois me servir parce que c'est toi la femme. Quoi? Et toi, t'es une belle sœur adorable. Tochi. J'aimerais te parler de quelque chose. Ok. Vas-y. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Bien sûr que je t'aime. Mais pourquoi cette question? Pourquoi tu ne veux plus payer ma dot? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus m'épouser? Je suis devenue ridicule dans tout le village et tout le monde se moque de moi. Essayes-tu de faire payer à mes parents le mal qu'ils t'ont fait? Ouais, tes parents ont été très cruels envers moi. Ça c'est vrai, mais ça c'est bien sûr du passé et je t'aime sincèrement. Alors épouse-moi tout et fais de moi tienne. C'est ce qu'on m'a toujours voulu. Tu ne pourrais pas comprendre. Alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre, Toro. Je t'aime énormément. C'est la vérité. Je t'aime énormément et j'aimerais passer le restant de mes jours avec toi. Ouais. Alors prouve-moi à quel point tu m'aimes. Puissant. Mon heure est-elle déjà arrivée? Tu n'as que 3 ans à vivre. 3 ans. Mais durant ces 3 ans, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que l'argent peut acheter. Absolument tout, comme tu veux. Ne pense même pas à la mort. Tout le monde va mourir. Mais les quelques jours qui te restent sur Terre, passe-les dans la joie. Grand Aboudou! Et l'ennemi du progrès! Grand Aboudou! Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse! Grand Aboudou! Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse! Je pensais que tu m'ajouterais encore quelques mois. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce que c'est?
Notre Dieu ne voudrait pas que tu meurs. Ça veut dire que je ne vais plus mourir. Tu ne vas pas du tout mourir parce que tu dois faire quelque chose. Tout ce que vous voudrez, toute puissance, s'il vous plaît, tout, je le ferai. Tu as deux personnes très importantes dans ta vie. Eh bien, tu dois sacrifier l'une d'elles. Tout puissant, non. Non. Si. Hein? Que... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce que tu parles? Personne, je ne parle à personne. J'étais juste en train de réviser mon discours pour mon rendez-vous de demain matin. Oui, c'est ça. J'aurais juré t'avoir entendu parler à quelqu'un. Je t'assure qu'il n'y a personne ici. Regarde autour de toi. Je suis tout seul. Je répétais juste pour ma réunion. Il faut que je sois vraiment très éloquent. T'es sûr que tout va bien? T'es sûr que tout va bien? Ouais, je vais bien. Sûr et certain. Pas. Allez, c'est bon. Je suis à toi dans quelques minutes, ok? J'ai bientôt fini. Je vais bien. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma sœur... Grand frère, on a aussi dit que la voiture de Miyoko a eu une panne le matin quand il voulait quitter. Il était donc obligé de rejoindre les employés. Il est monté avec eux. Ça veut donc dire que Miyoko est aussi touchée. Hey! Jésus! Ekene diridi. Grand frère, imagine que tu mourrais. Imagine que tu mourrais. Hey! Chimo! Merci, Seigneur. Hey! Chukudalo! Merci, Seigneur. Ou alors, mon amour, Ken. Tu sais, nul n'est parfait. Mais toi, tu l'es presque. Et ça me fait peur. Je t'aime. Je t'aime tellement. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr. Merci. Moi aussi, je t'aime, Trésor. Merci. Alors, je peux prolonger ma vie. Qui dois-je choisir? Je les aime toutes les deux de la même manière. Que dois-je faire? Je suis dans la merde. Ah ouais. Mon frère, mais ça c'est une bonne occasion. Je veux dire que ce genre d'occasion n'arrive qu'une seule fois tous les 10 ans. Donc, t'es un homme chanceux. Je ne sais pas quelle est la meilleure chose à faire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a juste? Je ne sais pas. La meilleure chose à faire, c'est de sacrifier l'une d'elles et de vivre ta vie, mec. C'est aussi simple. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est tellement facile pour toi de dire toutes ces choses. Je dois sacrifier une personne et avancer. On parle là de ma sœur et ma petite amie Nkem. Ce sont les deux personnes les plus importantes de ma vie. En fait, je n'ai pas d'autre. Une autre famille en dehors d'elle, juste ces deux personnes. Et tu veux que je tue l'une d'entre elles? Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je ne peux pas tuer l'une d'elles, mec, allez. L'une d'elles doit mourir. Écoute, personne ne vit éternellement sur ces terres. Bien sûr. Quand quelqu'un meurt et enterré... La vie continue, mec. Et on l'oublie rapidement. N'as-tu pas perdu ta mère? Ou alors, tu ne vis pas? Ce cas est très différent. Je dis pas tuer ma mère. La mort, c'est la mort. C'est ça. Écoute, mon frère, il n'y a pas de mort différente. La mort, c'est la mort. Je ne suis pas d'accord. La mort, ce n'est pas la mort. Je ne tâcherai jamais mes mains avec du sang. Jamais. Et tu aurais dû m'expliquer tout cela la première fois. Ça aurait été plus facile. C'est pas vrai. Tu ne m'as rien dit. Tu sais quoi? Sache très bien que tu dois faire ce sacrifice. Et sache que tu n'as pas le choix que de le faire. Tu n'as pas le choix. Il ne te reste plus qu'une semaine. Tu n'as plus qu'une semaine.
tout ce que pour accomplir le sacrifice. Mm-hmm. Pourquoi n'est-il pas là? Grand empereur, il a dit qu'il ne peut pas sacrifier l'une d'elles. Non! Il ne peut pas désobéir au grand Aboudou. Grand empereur, puis-je avoir votre permission afin de lui parler en privé? Tu as ma permission. Grand Aboudou! L'ennemi du progrès! Grand Aboudou! Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse! Grand Aboudou! Celui qui combat la pauvreté jusqu'à ce qu'elle disparaisse! Je veux mourir. Je veux mourir. Pourquoi je ne peux pas mourir? Grand empereur, je pense que vous devriez simplement le laisser partir, comme convenu avec les autres frères. Non, il n'ira nulle part. Ce garçon a beaucoup de trésors. Tellement. Mais sa présence au sein de la confrérie peut faire tomber cette confrérie. Il n'ira nulle part. Non. Et rappelle-toi, pas de bagarre, pas de querelle, pas de dispute. Quand le grand Aboudou prend sa décision, c'est lui qui a le dernier mot. «
Je veux mourir. Je veux mourir. Pourquoi je ne peux pas mourir? Grand Aboudou, laisse-moi mourir. Grand Aboudou, pourquoi je ne peux pas? Laisse-moi simplement mourir. Hein? Et tu vas bien? J'ai des violents maux de tête. Laisse-moi te chercher des calmants. Non, c'est pas la peine. Ça va aller. Apporte-moi juste de l'eau. Ok. Ouais. J'arrive. Ah. Oui, allô? Fils, comment tu vas? Je vais bien, mon oncle. Comment tu vas, toi? Fils, tu dois prendre la route pour le village maintenant. Que se passe-t-il encore? C'est quoi le problème cette fois-ci? Dis-moi. Non. Ce n'est pas quelque chose dont on devait parler au téléphone. Mon oncle, est-ce que tu peux aller droit au but et me dire quel est le problème? Écoute, fils, tout est en train de s'effondrer. Je ne sais pas par où commencer. Il faut que tu viennes. Je t'en supplie. Thank you.
Nkem, je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. Il n'a ni décroché mes appels, ni essayé de me rappeler hier. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à ton frère. Ce n'est pas juste toi, il le fait à tout le monde. Il ne me parle plus. Je veux dire, il a un comportement très étrange depuis hier. Et il vient difficilement au salon. Dans ce cas, c'est quoi le problème alors? Je ne sais pas. Il ne me parle pas. Écoute, Kem, je pense que tu dois venir à la maison. Tu es la seule personne avec qui il peut vraiment parler. Il ne me dit rien, donc il peut le faire avec toi. Dans ce cas, je viendrai là-bas demain. Kem, s'il te plaît, je t'attends aujourd'hui, oh? Oh, bye, Annette. Tu me salues, oncle Nadouzi et tes parents, ok? Ok, je le ferai. Bye-bye, tu fais bon voyage demain, Kem. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Grand frère, réveille-toi, grand frère, grand frère. Pourquoi est-ce que tu troubles mon sommeil? Hein? Je croyais que quelque chose t'était arrivé. Rien ne m'est arrivé. Je vais bien. Hein? Je vais bien. J'ai dit que j'allais bien. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Hey, Keiho. Rien de bien grave. Ok? Rien de bien grave. Je vais bien. Et rappelle-toi, je te l'ai dit, pas de pleurs. Ok? Pas de pleurs. Ne pleure jamais. Ne pleure jamais pour moi. Pas de pleurs. Ok? Tu es mon frère. Je t'aime tout le monde. Bien. Tu es mon frère, Boutegui. Je n'ai rien entendu, redis-le. Tu es mon frère, Abokugoop. Tu es mon frère, Boutegui. Bien. Garde-le à l'esprit. Hein? Garde-le à l'esprit. Ne pleure jamais pour moi. Je vais bien. Ah, ne touche pas ça. Maintenant que j'ai passé en revue tout ce que j'ai réalisé de ma main et tout ce que j'ai pu avoir, c'est évident que tout ceci ne signifie plus rien pour moi. C'est un peu comme courir après le vent. Qu'ai-je donc gagné en étant sage? Être plus sage que celui qui est patient, c'est dénué de sens. Thank you.
Donc c'est comme ça que ça y est. C'est comme ça que tout va se terminer. C'est comme ça que ça marche. Allô, maman? J'ai essayé de t'avoir. Toi? J'essaie. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as... Allô? Qu'est-ce que c'était au téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Tutti, parle-moi. Où est votre belle-sœur? Elle est rentrée se reposer. Ok. Elle a besoin de beaucoup de repos. J'espère que vous suivez votre frère de temps en temps afin d'éviter une autre crise. Oui, docteur. J'ai besoin de voir votre oncle. Je vais l'appeler. Désolé. Écoute, Maxwell.
à l'allure où vont les choses, je suis sûr que ça nous créera des ennuis. Oui. Comme tu es plus proche de l'empereur, tu dois lui parler. Donne-lui les raisons pour lesquelles ce garde doit mourir. Parce que si ça continue ici, nous sommes tous foutus. Crois-moi. Eh bien, vous savez comment l'empereur est. Et comment est-ce qu'il fait ces choses? Personne ne le commande. Donc, nous devons juste attendre ce qu'il va faire, d'accord? Maxwell, la chose que tu refuses de comprendre est que nous devons juste faire quelque chose. Oui. Si nous ne faisons rien par rapport à ça, nous serons exposés. Et une fois que nous le serons, nous allons perdre tout ce que nous avons. Exactement. Tu le sais. Donc, s'il te plaît. Ses organes vitaux se détériorent graduellement. Hey! Il est dans le coma. Et dans un coma artificiel. Et le labo n'a aucune explication à propos du rachis sur son corps. À présent, il respire normalement. Je n'ai jamais vu un tel cas auparavant. Dans ce cas, docteur, que devons-nous faire? Si jamais il s'en sortait, il sera paralysé. Hey, mon Dieu. L'euthanasie est la seule solution. Pouvez-vous mieux nous expliquer qu'est-ce que cela signifie? Ça s'appelle mort graduelle. C'est une décision consistant à mettre un terme à la souffrance et à la douleur du patient. Ce qui doit être fait avec le consentement de toute la famille ou celui du patient. Docteur, attendez. Voulez-vous dire que la seule solution est de tuer mon frère? Oui, c'est ça. Ah, bah. Vous n'allez pas tuer mon frère. Je ne l'ai pas amené ici pour qu'il meure. Je l'ai amené pour qu'il guérisse. Docteur. Docteur, écoutez, nous ne voulons pas le tuer. Oh. Parce que ce que vous essayez de dire, c'est que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Et jusqu'ici, il n'y a toujours pas de solution. Eh bien, nous ne sommes pas prêts de le tuer. Nous l'amènerons dans un autre hôpital. Et vois ce qu'il en est. Hey. Il mourra quand Dieu l'aura décidé. Il ne meurt pas. Il ne doit pas mourir. Il ne mourra pas, oui, il ne mourra pas. C'est d'accord. Il n'y a aucun problème. C'était là votre décision. Hey! Hey! Je ne sais plus quoi faire. Le docteur a dit que c'est une situation désespérée. Le pasteur a dit qu'il doit se confesser. Qu'est-ce qu'il doit confesser? Nous ne savons pas. Mon frère n'est pas une mauvaise personne. Tout ce que Tuchuku passe son temps à dire, c'est qu'il veut mourir, il veut mourir. Pourquoi est-ce qu'il veut mourir? Je ne sais pas. Non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Tuchuku ne mourra pas. Pas après ce qu'on a traversé, il ne mourra pas. Je pense que nous devons l'amener au village. Entends-toi. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Tour. Je veux mourir. Putain, pourquoi est-ce que tu veux mourir? Avec qui est-ce que tu vas me laisser, hein? Après tout ce qu'on a vécu, tu vas m'abandonner et arrête de dire ça. Ah. Je veux mourir. Tu ne vas pas mourir, je te le dis, tu ne vas pas mourir. Tu es le Dieu de gloire. Je veux mourir. Tu es l'unique dans le monde. Personne comme toi, toute la gloire te revient. Que se passe-t-il ici?
Il souffre. C'est un mensonge. Non, non. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier contre l'esprit de mort. Dieu notre Père. Sors. Je chasse tout esprit de mort. Sors. Oh Dieu notre Père. Je chasse tout esprit de mort. Tu as dit quiconque demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais déçu. Je bannis tout esprit de mort. Père, tu ne mourras pas. Qu'il soit délivré. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Tu seras délivré de tout esprit de mort. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux mourir. Merci Seigneur. Non, mon frère, le Seigneur dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois te confesser maintenant. Oui, il doit se confesser. Confesser quoi? Il doit se confesser. Mon amour, tu dois te confesser. Seigneur Tout-Puissant, agis. Agis puissamment dans son corps. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Sors maintenant. Amen. Sors de ce corps. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Sors de ce corps maintenant. Esprit du mal, qui que tu sois, retourne d'où tu viens. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. J'invoque le Seigneur. J'appartiens à une secte exotérique. Au nom de Jésus. C'est elle qui m'a donné toute la richesse que j'avais. Hey! Toute ma richesse. Timo, mon frère. Timo. Merci, Seigneur. Ils m'ont demandé de tuer soit ma sœur ou alors qu'elle. Hey. Mais j'ai préféré mourir. Hey. Quoi? Jésus. Je veux mourir. Ah! Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, Seigneur, prends ton nom. Toi, esprit du mal, retourne d'où tu viens. De tout esprit du mal, sors de ce corps. Au nom de Jésus, de tout. Confrère, confrère, confrère. Ainsi soit-il. Jésus, s'il vous plaît. La gloire revient au Seigneur. La Bible dit, en toute situation ou en toute circonstance, nous devons le remercier. Le diable a volé sa chair, mais par son âme est retournée vers le Seigneur. Isengene. C'est lui. Isengene. Pasta Isengene. Tantjoukou. Tantjoukou. Hey. Nkem. Au nom tout-puissant de notre Seigneur, toute la gloire te revient. Comment va-t-elle? Elle va bien, elle se repose. Ok. Oh, merci Seigneur. Elle a pris une perfusion. Ok. As-tu vu le docteur? Non, nous l'attendons encore. Ah, tiens bon. Oh. Docteur. Comment tu te sens à présent? S'il vous plaît, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle ne doit pas stresser le bébé. Le bébé? Docteur? Hein? Le bébé? Avez-vous dit bébé? Oui, elle est enceinte. De 2 semaines déjà. Non! 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 S'il vous plaît, vous devez la laisser tranquille. Non. Elle a besoin de pleurs. Dieu notre Père. Et après tout, j'ai appris que la patience était la clé de tout. Nous ne devons pas laisser les situations les plus graves nous détourner de notre destin. La plupart des hommes, bien sûr, qui choisissent ce chemin, à la fin, se retrouvent toujours dans la tombe en laissant leur vraie vie derrière eux. Croyez-moi, c'est l'une des caractéristiques de la sagesse. Ne faites jamais des choses désespérées. Soyez patient, car ce qui doit arriver, arrivera.
Il n'y a pas de manière de l'apprendre. J'ai appris ma leçon de la pire des manières. Et j'espère que vous apprenez aussi de mon histoire. La question étant, feriez-vous la même erreur qu'Osisiegou du Cambodge a faite? Le choix vous revient. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Maria, I could do anything just to get this money, 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 money. Without money, your life no get any meaning. Cha, cha, money na bastard. Without money, everybody go to look you down. Money na power. With money, you go fit on the ground. Oh God, make you help me to make this rubber. Oh God. With my money to flow like water. Money on, money on, hey, money on, 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 money on. What is your name?